Mesdames et messieurs les actionnaires, mesdames et messieurs, chers invités, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur 111. Generalversammlung der Schweizerischen Nationalbank. Signore e signori azionisti, gentili signore, egregi signori, benvenuti alla 111ª Assemblea Generale della Banca Nazionale Svizzera. Stimadas Aktionarias und stimats Aktionaris, preziadas Damas und preziats Signors, un cordial benveni alla 111ª Radunanza Generale della Banca Nazionale Svizzera. Je suis heureux de vous retrouver pour la deuxième année consécutive ici au Coursal à Berne et souhaite à toutes et à tous une bonne Assemblée Générale. En premier lieu, j'aimerais saluer les personnes présentes à mes côtés sur l'estrade. Je salue Monsieur Thomas Jordan, président de la Direction Générale de la Banque Nationale Suisse, Monsieur Fritz Zurbrück, vice-président de la Direction Générale, ainsi que Madame Andrea Mechler, membre de la Direction Générale. Je salue également Monsieur Olivier Steimer, vice-président du Conseil de Banque, ainsi que Monsieur Peter Schöpf, secrétaire général de la Banque Nationale Suisse. Dans la salle, je souhaiterais souhaiter la bienvenue à mes collègues du Conseil de Banque. Et je salue ainsi Madame Monica Butler, professeure à l'Université de Saint-Gall. Madame Barbara Janomsteiner, ancienne conseillère d'État et chef du département des finances et des communes du canton des Grisons. Monsieur Hans Karrer, président d'Économie Suisse. Monsieur Daniel Lampart, économiste en chef et premier secrétaire de l'Union syndicale suisse. Monsieur Christophe Lengwiller, professeur à la Haute École de Lucerne. Monsieur Ernst Stocker, conseiller d'État et chef de la Direction des finances du canton de Zurich. Monsieur Cédric Thi, professeur à l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève. Ainsi que Monsieur Christian Vita, conseiller d'État et chef du département des finances et de l'économie du canton du Tessin. Je dois excuser Maître Shelby Dupaquier, avocat et associé de Lenz & Stielin, qui a été retenu par d'autres obligations. Je salue également les hauts représentants de la Confédération, les directrices et les directeurs cantonaux des finances, les membres des conseils consultatifs régionaux de la Banque Nationale Suisse, ainsi que les anciens membres de la Direction Générale. Je salue aussi Maître Béatrice Stuber-Jordi, notaire à l'étude Stuber-Jordi à Muri. Maître Stuber-Jordi officie pour la 6e année consécutive en tant que personne indépendante pour représenter les actionnaires, ainsi que M. Philippe Rickert, réviseur responsable chez KPMG SA, l'organe de révision de la Banque nationale. Enfin, je salue les étudiants et les professeurs de l'école cantonale de Coire,
qui s'apprête à suivre attentivement notre Assemblée. Nous avons invité ces étudiants parce qu'ils nous ont envoyé une très belle photo. Au printemps dernier, ils ont fait un voyage d'études à Berne et se sont retrouvés sur la place fédérale devant le bâtiment de la Banque nationale. Le bâtiment était alors en travaux et une paroi blanche cachait une partie de la façade. Ces étudiants se sont alors placés devant cette paroi et, avec leur corps, ont écrit en toutes lettres « Banca Nazionale », soit « Banque Nationale » en romanche. Ils avaient en effet remarqué que le nom de la Banque Nationale ne figurait pas en romanche sur la façade du bâtiment, et nous avons trouvé cette action extrêmement sympathique, et c'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir d'accueillir ces étudiants grisons et leurs professeurs parmi nous, une cordiale bienvenue. Mesdames et messieurs, je passe à la composition du bureau. La présidence de l'Assemblée est exercée par le président du Conseil de banque, conformément à l'article 8 du règlement d'organisation de la Banque nationale. Le procès-verbal de l'Assemblée est établi par le secrétaire général de la Banque nationale. Les scrutins ont lieu d'une manière électronique par télévoteur. Le scrutin électronique permet de comptabiliser le nombre exact de voix dont dispose chacun des actionnaires. Il permet également de comptabiliser les voix des actionnaires représentés par la représentante indépendante. Conformément à notre règlement d'organisation, un seul scrutin aura lieu à main levée. Il s'agit de l'élection des scrutateurs et je vous propose d'élire à ce titre M. Lucas Fricker et M. Gilbert Münger. Messieurs Fricker et Münger sont tous deux notaires à l'étude Münger à Berne. Ils sont prêts à exercer la fonction de scrutateur. Ils connaissent les tâches qui leur incombent à ce titre, à savoir la surveillance et le contrôle des procédures et des systèmes liés à la comptabilisation électronique des voix. Les scrutateurs sont élus à la main levée, à la majorité absolue des actionnaires présents. Avez-vous d'autres propositions? Ce n'est pas le cas. Si vous approuvez l'élection des candidats proposés, je vous remercie de lever la main. À l'évidence, vous avez approuvé la désignation de M. Lucas Fricker et Gilbert Münger comme scrutateurs, et je les remercie. Permettez-moi quelques constats préliminaires. La convocation d'abord, la convocation de l'Assemblée générale a eu lieu conformément à l'article 35 de la loi sur la Banque nationale. Les invitations ont été envoyées aux actionnaires le 27 mars 2019, à la dernière adresse inscrite au registre des actions. Les points portés à l'ordre du jour ont été publiés le 28 mars dans la feuille officielle suisse du commerce. Cette assemblée est traduite simultanément dans les trois langues officielles. Des écouteurs ont été mis à votre disposition à l'entrée de la salle. L'Assemblée générale peut ainsi être écoutée dans sa version originale sur le canal 1. L'allemand peut être écouté sur le canal 2, le français sur le canal 3 et l'italien sur le canal 4. Les orateurs s'exprimeront dans l'une de ces trois langues officielles. L'Assemblée générale est retransmise en direct par Web TV sur le site internet de la Banque nationale.
Les traductions simultanées sont également disponibles sur Web TV. Comme l'an dernier, les actionnaires disposent d'un bureau des actionnaires. Celui-ci se trouve sur votre droite, derrière le pupitre des actionnaires où celles et ceux qui veulent prendre la parole se déplaceront. J'invite celles et ceux qui envisagent de prendre la parole à s'inscrire auprès du bureau des actionnaires, puis à se placer à droite, et ces inscriptions permettront d'organiser le déroulement des discussions au mieux dans l'intérêt de tous les participants. Je constate que la liste des actionnaires annoncés est déjà assez conséquente. Le bureau des actionnaires sera ainsi ouvert jusqu'à 10h45. J'invite ainsi les actionnaires qui souhaitent prendre la parole et qui ne se seraient pas déjà inscrits à le faire jusqu'à 10h45. Et au-delà de 10h45, les actionnaires ne pourront plus s'inscrire pour prendre la parole sur n'importe quel point de l'ordre du jour. Je vous remercie les orateurs annoncés de limiter leurs interventions sur les questions qui se rapportent strictement au point de l'ordre du jour. Je rappelle ici, encore une fois, que toutes les questions relatives à la politique monétaire ou à la gestion des réserves monétaires sont traitées lors de la discussion générale au point 9 de l'ordre du jour. Je souhaite pouvoir clore cette assemblée à 12h45 au plus tard pour pouvoir passer au buffet dînatoire. En effet, comme le veut la tradition, un déjeuner-buffet sera servi à l'issue de l'assemblée. Il n'y aura pas d'accès au buffet avant la fin de l'assemblée. Je donne maintenant la parole au secrétaire général qui va vous informer de la participation à l'assemblée de ce jour. Monsieur le secrétaire général. Guten Tag, meine Damen und Herren. Das Total der heute vertretenen Aktien beträgt 56.712. Das Total der vertretenen Aktienstimmen beträgt 49.843. 335 Aktionärinnen und Aktionäre sind persönlich anwesend. Die anwesenden Aktionäre vertreten insgesamt 30.868 Aktienstimmen. 445 Aktionäre werden durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten. Die vertretenen Aktionäre haben insgesamt 18.975 Aktienstimmen. Das absolute Mehr beträgt 24.922. Es sind mehr als 30 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend und mehr als 10.000 Aktien vertreten. Die Generalversammlung ist damit gemäß Artikel 9 Absatz 1 des Organisationsreglements der Schweizerischen Nationalbank beschlussfähig. Vielen Dank. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Permettez-moi maintenant de passer à mon allocution. Mesdames et Messieurs les actionnaires, Mesdames et Messieurs, chers invités, encore une fois et en français, je vous souhaite la bienvenue. Pour la 7e et ultime fois en qualité de président du Conseil de banque de la Banque nationale suisse. Comme vous le savez, la loi sur la Banque nationale limite à 12 ans le mandat des membres du Conseil de banque. Or, j'ai été nommé à cet organe au printemps 2007, soit il y a exactement 12 ans, de sorte que mon mandat se termine avec la présente Assemblée générale. J'y accomplis avec un grand plaisir mes tâches au Conseil de banque, d'abord en tant que membre, puis comme vice-président et enfin comme président.
J'ai aussi toujours énormément apprécié le dialogue avec vous lors de l'Assemblée générale. Et je suis très heureux de présider aujourd'hui ma dernière assemblée, même si, et vous l'imaginez facilement, je ressens un léger pincement au cœur. Permettez-moi de passer en revue mes 12 années de mandat, et en particulier mes 7 années de présidence, et à travers cette revue de vous exposer les grandes lignes du travail du Conseil de banque. C'est l'année du 100e anniversaire de la BNS, au printemps 2007, que j'ai été nommé au Conseil de banque par le Conseil fédéral. J'étais alors conseiller d'État neuchâtelois et à ce titre représentant des cantons qui sont les principaux actionnaires de la Banque nationale suisse. Je me souviens encore parfaitement des célébrations de ce centenaire, qui se sont déroulées dans un climat conjoncturel positif et empreint d'optimisme. Lorsque, une année plus tard, j'ai été nommé vice-président du Conseil de banque, la conjoncture avait fondamentalement changé. La crise financière qui avait éclaté aux États-Unis s'était propagée au système financier mondial. À l'automne 2008, la Confédération et la BNS furent contraintes de sauver de la faillite UBS, la plus grande banque suisse. La BNS mit en place et finança au moyen d'un prêt le fonds de stabilisation, le Stabfund, afin d'y reprendre le portefeuille d'actifs à risque d'UBS. La décision de soutenir UBS et la décision de créer le fonds de stabilisation entraient toutes les deux dans les attributions de la Direction générale en matière de politique monétaire. Le Conseil de banque a suivi attentivement l'ensemble de l'opération dans le cadre de ses compétences de surveillance et de contrôle. Il s'est notamment assuré que la gestion des risques et le contrôle des risques était en mesure d'accomplir les tâches supplémentaires qui en découlaient et que l'évaluation des nouveaux actifs était conforme aux prescriptions comptables. Mes années à la vice-présidence du Conseil de banque furent donc marquées par la première phase de la crise financière et par la création du fonds de stabilisation. Lorsque la crise financière déboucha sur une crise de la dette, puis sur une crise de l'euro, la Banque nationale décida de recourir à divers instruments pour protéger l'économie suisse d'une appréciation excessive du franc. Il y eut tout d'abord le cours plancher entre le franc et l'euro, puis le taux d'intérêt négatif, et la disposition à intervenir au besoin sur le marché d'échange. Ces décisions relevaient également des compétences de la Direction générale en matière de politique monétaire. Depuis, le fonds de stabilisation a pu être liquidé, mais la crise financière a eu de profondes répercussions pour la Banque nationale. Celle-ci se reflète le plus dans l'accroissement de la somme du bilan de la BNS. À fin 2011, soit peu avant le début de ma présidence, la somme du bilan s'inscrivait à quelque 346 milliards de francs. Fin 2018, elle atteignait un peu plus que 817 milliards. Elle a donc plus que doublé ces 7 dernières années. Et cet accroissement montre qu'en Suisse, la résolution de la crise s'est en très grande partie déroulée par le biais de la politique monétaire. Le recours à ces instruments a porté ses fruits, puisque la Suisse a mieux résisté à la crise que la plupart des autres pays.
La forte croissance de la somme du bilan, conjuguée à de nouvelles tâches complexes, ont placé la Banque nationale face à de nouveaux défis qui requéraient davantage de personnel. Fin 2011, la BNS employait 723 collaboratrices et collaborateurs. Fin 2018, elle en comptait 923. Malgré cette hausse des effectifs, la BNS reste une banque centrale dotée d'une organisation légère. Cette évolution et ses conséquences ont également marqué à de nombreux égards le travail du Conseil de banque en tant qu'organe de surveillance. Avant de vous exposer plus en détail les principaux axes de ce travail durant mes 7 années de présidence, permettez-moi tout d'abord de revenir brièvement sur les circonstances particulières qui m'ont amené à présider le Conseil de banque dès le printemps 2012. Vous vous en souvenez, j'ai accédé à la présidence du Conseil de banque alors que la Banque nationale connaissait une période difficile. Non seulement la politique monétaire devait faire face à des défis majeurs, mais la BNS en tant qu'institution était également sous les feux de la rampe. Après le départ de l'ancien président de la direction générale, le renforcement de la compliance a ainsi représenté l'une des tâches prioritaires du Conseil de banque. Un service de compliance autonome a été créé à cet effet. Il informe chaque année le comité d'audit et le conseil de banque de la situation et des principaux risques en la matière. Le développement de la compliance a fait ses preuves. Non seulement le service compliance vérifie le respect des instructions et des règlements pertinents, mais il dispense aussi des formations, sensibilise et conseille les collaboratrices, les collaborateurs, leur donnant ainsi un sentiment de sécurité. Ce service est devenu un interlocuteur digne de confiance pour toutes les questions de compliance et ainsi contribue dans une large mesure à préserver la réputation de la Banque nationale. Parallèlement au renforcement de la compliance, le Conseil de banque a révisé ces dernières années les règlements applicables aux membres de la direction générale et à leurs suppléants. Il s'agit en l'occurrence du règlement régissant les rapports de travail. Il s'agit également du règlement relatif aux placements financiers et aux opérations financières à titre privé. Il s'agit encore du règlement concernant l'acceptation des cadeaux et d'invitations. Enfin, le Conseil de banque a défini pour lui-même un code de conduite qui prescrit aux membres de cet organe de se conduire de manière à préserver la bonne réputation de la Banque nationale. Je constate aussi avec satisfaction que les règlements correspondent désormais aux exigences en vigueur et protègent effectivement la réputation de la BNS et de ses représentants. Et cet aspect, mesdames, messieurs, revêt une grande importance. Il revêt une grande importance parce que nous vivons une époque où le public porte une attention plus soutenue que par le passé à la Banque nationale et aux banques centrales en général. Revenons maintenant sur la croissance de la banque consécutive à la crise financière, à la crise de la dette et à la crise de l'euro. Ces crises se sont traduites pour la Banque nationale par de nouvelles tâches ou un élargissement des tâches existantes et dès lors par une augmentation des ressources en personnel. Ces bouleversements ont particulièrement affecté la mise en œuvre de la politique monétaire. Par exemple, les achats substantiels de devises destinés à endiguer la pression à la hausse sur le franc se sont accompagnés d'exigences inédites pour le marché des échanges et la gestion des actifs. La BNS a même ouvert pour la première fois de son histoire une succursale à l'étranger à Singapour
en 2013 afin d'assurer sa présence sur le marché des changes 24 heures sur 24 et afin de gérer de manière optimale la forte croissance de ses actifs en Asie. Il fallait non seulement placer ces actifs, mais il faut surveiller les risques qui en découlent. La croissance du bilan a eu un impact sur les ressources des divisions marché monétaire et d'échange, gestion des actifs et gestion des risques. Le développement des unités opérationnelles s'est à son tour traduit par une forte croissance des unités exerçant une fonction de soutien, en particulier, bien sûr, de l'informatique. Les tâches nouvelles ou élargies de la BNS ont nécessité un renforcement de l'informatique, alors que dans le même temps, les exigences liées à la cybersécurité augmentaient en raison des menaces en la matière. D'autres unités exerçant une fonction de soutien se sont également développées, quoique dans une moindre mesure que l'informatique. L'accroissement des effectifs de plus d'un quart a conduit à un besoin accru de locaux, auquel il a fallu répondre en densifiant les espaces de travail, en aménageant les bâtiments existants et en acquérant de nouveaux immeubles. Enfin, la croissance de ces dernières années a dû être maîtrisée sur le plan de l'organisation. L'ensemble de la banque a été réorganisé à la mi-2014 et des mesures ont été prises sur les plans de la conduite du personnel, de la structure organisationnelle et enfin sur le plan des procédures. Cette réorganisation s'est révélée judicieuse puisqu'elle a permis un pilotage efficace de la banque dans cette période difficile. Le conseil de banque a suivi de près tous ces développements de la banque ces dernières années. En tant qu'organe de surveillance, il approuve le budget annuel et le décompte relatif à l'utilisation de ce budget. Il prend connaissance des stratégies de la Banque nationale en matière de gestion des ressources, notamment en ce qui concerne l'informatique, le personnel et l'immobilier. Les grands projets, dont les projets immobiliers complexes, tels que la transformation profonde du bâtiment situé Place Fédérale 1 à Berne, ces grands projets sont également soumis au Conseil de banque. En sa qualité d'organe de surveillance, le Conseil de banque définit en outre les grandes lignes de l'organisation de la BNS. Il a donc examiné attentivement la réorganisation de 2014. Enfin, c'est le Conseil de banque qui a approuvé l'ouverture de la succursale de Singapour dans le cadre de sa compétence relative à la création ou à la suppression de succursales. Après avoir évoqué la croissance de la Banque nationale, j'aimerais aborder celle du bilan. La gestion des actifs du bilan a gagné en importance en raison de l'augmentation massive des réserves de devises. Le placement des actifs relève de la compétence de la direction générale qui décide des catégories de placement, des devises autorisées et de l'allocation des placements. Il appartient aussi à la direction générale de définir les critères d'exclusion relatifs aux placements en actions et d'exercer les droits de vote liés à ces actions. Pour sa part, le Conseil de banque assure la surveillance du placement des actifs et de la gestion des risques. Et étant donné le fort accroissement des réserves de devises ces dernières années, il a assumé son rôle de surveillant de manière particulièrement intense. L'expansion du bilan a certes accru les opportunités de rendement, mais également les risques de perte. La Banque nationale s'emploie à disposer d'un bilan solide et de fonds propres suffisants pour pouvoir absorber des pertes même significatives. L'expansion du bilan a donc nécessité un renforcement des fonds propres sur le long terme. Comme ces fonds propres sont essentiellement alimentés par l'attribution annuelle aux réserves, la BNS a décidé d'ajouter dès 2016 une attribution annuelle minimale à la réglementation alors en vigueur pour la constitution des réserves.
Et ce complément contribue de manière importante au renforcement des fonds propres et par conséquent au renforcement de la solidité du bilan de la BNS. La politique en matière de provision influe pour sa part sur la distribution du bénéfice annuel à la Confédération et au canton, et bien évidemment à vous aussi, chers actionnaires. Les résultats annuels et les bénéfices reportés déterminent toutefois en dernier ressort s'il peut y avoir une distribution annuelle du bénéfice. La loi réglemente le versement du dividende, alors que la distribution du bénéfice à la Confédération et au canton est régie par une convention quinquennale conclue entre la BNS et le département fédéral des finances. La convention actuellement en vigueur a été négociée à fin 2016 et tient compte des ajustements apportés dans la politique en matière de provision. Elle contribue à garantir la santé du bilan de la Banque nationale, une condition importante du succès de la politique monétaire. Permettez-moi de dire aussi quelques mots sur le produit le plus visible de la Banque nationale, à savoir les billets de banque. Il y a 6 semaines, la BNS a mis en circulation la nouvelle coupure de 1 000 francs. L'émission de la 9e série de billets de banque s'achèvera en septembre prochain avec la mise en circulation de la dernière nouvelle coupure, celle de 100 francs. Grâce à cette nouvelle série, alliant des éléments de sécurité complexes et un graphisme sophistiqué, la Suisse possède désormais des billets de banque plus modernes et encore plus sûrs. Le graphisme des billets de banque relève de la compétence du Conseil de banque. La BNS est sortie des sentiers battus en la matière. Comme vous le savez, les billets ne représentent plus des personnalités, mais mettent en avant un aspect caractéristique de la Suisse, chaque facette étant illustrée par une action et un lieu réel du pays. Le Conseil de banque constate avec satisfaction que le public apprécie la nouvelle série de billets de banque. Et le Conseil de banque se réjouit également que la Société internationale des billets de banque ait décerné le titre du plus beau billet de banque du monde à 2 des nouvelles coupures, celle de 50 francs en 2016 et celle de 10 francs en 2017. J'aimerais en outre, si vous me permettez, mesdames et messieurs, faire une remarque plus personnelle concernant 2 billets de la nouvelle série. En tant que Neuchâtelois, j'éprouve une joie particulière à l'hommage rendu à l'industrie horlogère suisse sur le billet de 10 francs qui arbore au verso un mouvement d'horlogerie. Et en ma qualité de président du conseil de fondation de la Cinémathèque suisse, je me réjouis également que le cinéma soit mis à l'honneur sous le nouveau billet de 20 francs qui représente la Piazza Grande pendant le festival du film de Locarno. Mesdames et messieurs, même si le Conseil de banque ne fait plus figurer de personnalité sur les billets de banque, il continue à se pencher attentivement sur les personnalités dans un autre domaine, puisqu'il joue un rôle central dans la nomination des membres de la direction de la Banque nationale. En effet, il soumet au Conseil fédéral des propositions pour la nomination des membres de la direction générale et de leurs suppléants. Pendant mon mandat de président, 2 des 6 personnes formant la direction générale élargie ont été nouvellement nommées. La formulation d'une proposition au Conseil fédéral implique un processus de sélection minutieux et professionnel. L'expertise et les qualités personnelles des candidats étant toujours déterminantes. Les décisions du Conseil de banque en matière de personnel et en dernière instance, celle du Conseil fédéral, ont permis à la Banque nationale de disposer d'une direction qui a fait ses preuves, même dans des périodes difficiles. Je suis persuadé que le Conseil de banque,
continuera de veiller à ce que la BNS dispose des meilleures compétences possibles pour faire face aux défis à venir. Je souhaiterais maintenant conclure. Mesdames et Messieurs, comme vous le voyez, la Banque nationale a continué à évoluer et à se transformer ces dernières années. Ces changements n'ont toutefois en rien modifié son mandat légal, à savoir mener une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays. Et ce mandat est à la base de toutes les actions de la BNS. Les changements intervenus ces dernières années, tout comme ceux qui seront apportés à l'avenir, visent en fin de compte au meilleur accomplissement possible de ce mandat. Je ne voudrais pas conclure ma dernière allocution sans vous faire part de ce qui, à mes yeux, constitue la condition première d'une politique monétaire efficace. La Banque nationale ne peut remplir son mandat légal dans l'intérêt général du pays que si son indépendance en matière de politique monétaire est entièrement garantie. Une banque centrale garnie par la sphère politique ne serait plus en mesure d'exercer son mandat dans l'intérêt général du pays. Le législateur avait déjà conscience de l'importance de cette indépendance au moment de la création de la Banque nationale il y a plus de 100 ans. En contrepartie de cette indépendance, la BNS est tenue de rendre compte de l'accomplissement de son mandat et d'informer sur ses activités. L'indépendance repose principalement sur la confiance dont bénéficie la BNS. Or, l'institution doit régulièrement prouver qu'elle est digne de cette confiance en exécutant son mandat légal en son âme et conscience et sur la base des connaissances dont elle dispose. Contribuer à l'accomplissement de ce noble mandat a été pour moi, en tant que président du Conseil de banque, à la fois un honneur et un plaisir. J'aimerais adresser mes remerciements à mes collègues du Conseil de banque pour leur grand engagement, pour leur esprit constructif et leur collégialité. Je tiens aussi à remercier la direction générale et son président Thomas Jordan pour la collaboration toujours agréable et fructueuse. Et j'adresse aussi un grand merci à chaque collaboratrice et chaque collaborateur de la Banque nationale pour leur engagement indéfectible envers notre institution. Enfin, je veux vous remercier, vous, chers actionnaires, que vous représentiez des cantons ou d'autres établissements de droit public ou que vous soyez des particuliers. À l'issue de la présente Assemblée générale, j'aurai le plaisir de passer le flambeau à Madame Barbara Janomsteiner. Je lui souhaite d'ores et déjà beaucoup de succès, beaucoup de satisfaction et de joie dans ses nouvelles fonctions. Je vous remercie de votre attention. Maintenant la parole à M. Thomas Jordan, président de la Direction générale, pour son exposé. Herr Bankratspräsident, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, liebe Gäste, ich begrüße Sie herzlich zur Generalversammlung. Der Austausch mit der Schweizer Öffentlichkeit ist für uns sehr wichtig. Ich freue mich deshalb, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen und hoffe, am anschließenden Apéro mit möglichst vielen Aktionärinnen und Aktionären persönlich ins Gespräch zu kommen. Als Präsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank erhalte ich viele Briefe von Bürgerinnen und Bürgern. In einem dieser Briefe schildert die Inhaberin eines Familienunternehmens aus der Nordwestschweiz, wie sie jahrelang um Kunden gekämpft hat und nun ihr Geschäft trotzdem schließen musste. Die Konkurrenz aus dem Ausland sei, so berichtet sie, wegen des starken Frankens einfach zu groß.
In einem anderen Brief sorgt sich ein Herr um seine Altersvorsorge. Er schreibt, dass er seit 15 Jahren immer höhere Beiträge für seine Pensionskassen bezahlen müsse, sein voraussichtliches Altersguthaben aber dennoch nicht zu, sondern sogar abnehme. Dies führt er auf die sogenannten Minuszinsen zurück. Meine Damen und Herren, solche Zuschriften geben uns ein Bild darüber, was die Menschen in der Schweiz bewegt und wie sie von einer bestimmten wirtschaftlichen Lage betroffen sind. Diese Informationen sind für uns immer sehr aufschlussreich. Die Geldpolitik der Nationalbank darf sich aber nie nur an den Anliegen Einzelner orientieren. Vielmehr muss unsere Geldpolitik im Gesamtinteresse des Landes stehen. Leider gibt es das sprichwörtliche Füfi und Weckli nicht. Oder, auf die beiden erwähnten Briefe bezogen, es ist nicht möglich, gleichzeitig höhere Zinsen und einen schwächeren Franken anzustreben. Die Geldpolitik der Nationalbank basiert auf einer sorgfältigen Abwägung ihrer Wirkung auf die Gesamtwirtschaft. Seit rund 4 Jahren stützen wir uns dabei auf 2 Pfeiler, den Negativzins und die Bereitschaft, bei Bedarf am Devisenmarkt zu intervenieren. Gerade der Negativzins ist für viele Bürgerinnen und Bürger aber sehr ungewohnt. Und das spiegelt sich auch in den Briefen, die wir erhalten. Er verstoße gegen die wirtschaftliche Logik, ist da etwa zu lesen, und bereite Sparen und Pensionskassen große Probleme. In der gegenwärtigen Situation ist der Negativzins genauso wie unsere Bereitschaft, bei Bedarf am Devisenmarkt zu intervenieren, aber unerlässlich. Nur so können wir in der Schweiz die Zins- und Wechselkursbedingungen aufrechterhalten, die zur Erfüllung unseres Auftrags notwendig sind, nämlich die Preisstabilität zu gewährleisten und dabei der konjunkturellen Entwicklung Rechnung zu tragen. Hielten wir den Negativzins zur Erfüllung unseres Mandats nicht für absolut notwendig, würden wir auf ihn verzichten. Es ist uns ein großes Anliegen, dass die Schweizerinnen und Schweizer verstehen, weshalb unsere gegenwärtige Geldpolitik angemessen ist und was ihre Wirkung auf unser Land ist. Um Ihnen die Notwendigkeit des Negativzins zu erläutern, muss ich etwas weiter ausholen und blicke auf ein Vierteljahrhundert zurück. In dieser Zeitspanne ist das globale Zinsniveau stark gesunken. Auf dieser Darstellung können Sie sehen, dass die nominale Rendite einer 10-jährigen Staatsanleihe in der Schweiz, Deutschland und den USA seit den 1990er Jahren rückläufig war. Für diesen Abwärtstrend gibt es verschiedene Erklärungen. Eine erste Erklärung ist die erfolgreiche Bekämpfung der Inflation durch die Zentralbanken. Nach den negativen Erfahrungen mit hohen Inflationsraten in den 1970er und 1980er Jahren begannen viele Zentralbanken anfangs der 1990er Jahren Preisstabilität anzustreben. In der Folge sank die Teuerung und damit auch die Zinsen auf dem Sparbuch und an den Finanzmärkten. Denn wenn das Geld auf dem Sparkonto dank geringer Inflation seinen Wert nicht verliert, braucht der Zins darauf nicht für eine Geldentwertung zu entschädigen. Die tiefere Inflation und der damit verbundene Rückgang des Nominalzinsniveaus sind für Haushalte und Unternehmen grundsätzlich eine erfreuliche Entwicklung. Eine zweite Erklärung ist der Rückgang des Realzinses, also des Nominalzinses, bereinigt um die Inflation. Diese Darstellung zeigt die Rendite einer 10-jährigen Staatsanleihe in der Schweiz, Deutschland und den USA, bereinigt um die entsprechende Konsumentenpreisinflation. Für den globalen Rückgang des Realzinses gibt es verschiedene Gründe, die in der Forschung intensiv untersucht werden. Vereinfacht ausgedrückt spielt einerseits die demografische Entwicklung eine wichtige Rolle, weil eine alternde Bevölkerung aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung tendenziell mehr spart.
Andererseits schmälert das verlangsamte Produktivitätswachstum das Ertragspotenzial von Realinvestitionen und verringert damit das Interesse der Investoren an Sachanlagen wie Fabriken und Maschinen. Wenn die Sparabsichten größer sind als die Investitionspläne, muss der Realzins sinken, um Angebot und Nachfrage für Kapital wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Was bedeutet nun das global gesunkene Zinsniveau für die konventionelle Geldpolitik? Wenn die Zinsen grundsätzlich schon tief sind, kann die Geldpolitik weniger auf Störungen reagieren. Wenn sich die Konjunktur und die Inflation abschwächen, stimuliert die Zentralbank die Wirtschaftsaktivität normalerweise, indem sie den Zins senkt. Dies mildert die Konjunkturabschwächung ab und stabilisiert die Preise. Wenn das Zinsniveau aber ohnehin schon tief ist, kann die Zentralbank nur wenige Zinsschritte vornehmen, bis die Nullgrenze erreicht ist. Und bei Null endet die konventionelle Geldpolitik. Die Einschränkung des Spielraums der konventionellen Geldpolitik ist für die Schweiz sogar besonders ausgeprägt. Denn die Schweiz zeichnet sich traditionell durch politische und wirtschaftliche Stabilität aus, was Frankenanlagen in den Augen der Anleger besonders sicher macht. Für diese Sicherheit sind Anleger bereit, Frankenanlagen zu tieferen Zinsen zu halten als Anlagen in anderen Währungen. Dies hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass die Zinsen in der Schweiz meist tiefer waren als im Ausland. Wenn die Geldpolitik gelockert werden musste, lag der Ausgangspunkt für Zinssenkungen somit in der Schweiz jeweils tiefer als im Ausland. Meine Damen und Herren, vor 11 Jahren brach die globale Finanz- und Wirtschaftskrise aus, gefolgt von einem starken Rückgang der Wirtschaftsleistung und der Inflation. Um ihr Mandat zu erfüllen, musste die Nationalbank damals auf eine expansive Geldpolitik umschalten. Zuerst reagierte die Nationalbank auf konventionelle Art und senkte die Zinsen rasch auf praktisch null. Auf die globale Finanzkrise folgte bald die Staatsschuldenkrise in der Eurozone. Die damit verbundene Verunsicherung an den Finanzmärkten führte dazu, dass der Franken als Fluchtwährung stark gesucht wurde und somit unter Aufwertungsdruck geriet. Um diesen Aufwertungsdruck auf den Franken zu begegnen, mussten wir zu unkonventionellen Mitteln greifen. Wir intervenierten am Devisenmarkt und führten im September 2011 einen Mindestkurs gegenüber dem Euro ein. Ab Mitte 2014 begann sich das internationale geldpolitische Umfeld zu verändern. Zum einen zeichnete sich in den USA immer deutlicher eine Straffung der Geldpolitik ab. Zum anderen wurde im Euroraum eine Lockerung der Geldpolitik zunehmend wahrscheinlicher. Der Euro verlor in der Folge gegenüber den wichtigsten Währungen deutlich an Wert und das machte den Mindestkurs zu Beginn von 2015 nicht mehr nachhaltig. Um die Kontrolle über unsere Geldpolitik zu behalten, entschieden wir uns im Januar, uns deshalb neu auszurichten. In der außergewöhnlichen Situation von damals mussten wir die Vor- und Nachteile unkonventioneller Instrumente abwägen. Dabei wurde klar, dass wir die Zinsen unter Null senken mussten, nachdem verschiedene andere Zentralbanken bereits Negativzinsen eingeführt hatten. Nur so konnten wir die Attraktivität des Frankens begrenzen. Zeitgleich mit der Aufhebung des Mindestkurses führten wir deshalb einen Negativzins von minus 0,75% auf Sichtguthaben der Banken bei der Nationalbank ein. Dadurch wurde das Schweizer Zinsniveau wieder unter dasjenige des Auslands gesenkt. Zusammen mit der Bereitschaft, bei Bedarf am Devisenmarkt zu intervenieren, hat der Negativzins den Druck auf den Franken aufgefangen und einen starken Rückgang der Inflation verhindert.
Insgesamt kam die Schweizer Wirtschaft im internationalen Vergleich glimpflich durch die schwierigen Jahre nach dem Ausbruch der globalen Finanzkrise. Und dies, obwohl wir als kleine offene Volkswirtschaft mit einem großen Finanzsektor stark von den Störungen betroffen waren. Das liegt hauptsächlich an zwei Faktoren. Zum einen war die Flexibilität der Unternehmen und der Arbeitnehmer in der Schweiz enorm groß. Dadurch gelang es, die Effizienz zu steigern, neue Produkte zu entwickeln und neue Märkte zu erschließen. Zum anderen hat die unkonventionelle Geldpolitik der Nationalbank die Störungen aus dem Ausland stark abgefedert. Der reale, handelsgewichtete Wechselkurs des Frankens blieb deswegen seit September 2011 ziemlich stabil. Ohne Negativzins und ohne umfangreiche Interventionen der Nationalbank sähe die wirtschaftliche Realität in der Schweiz heute anders aus. Der Franken wäre viel stärker geworden, die Inflation deutlich ins Negative gesunken, das Wachstum hätte sich abrupt verlangsamt und die Arbeitslosigkeit wäre stark gestiegen. Für uns steht daher außer Frage, dass der Negativzins einen wichtigen Beitrag geleistet hat, die Schweizer Wirtschaft gut durch eine schwierige Zeit zu führen. Und er trägt auch heute noch ganz wesentlich dazu bei, dass sich die Schweizer Wirtschaft trotz vieler internationaler Unsicherheitsfaktoren gut entwickelt. Doch wie wirkt der Negativzins genau? Der Negativzins wirkt auf eine sehr ähnliche Art und Weise auf die Wirtschaft wie eine Geldpolitik mit positiven Zinsen. Zinsen im moderat negativen Bereich stellen die Welt nicht auf den Kopf und verstoßen nicht gegen die ökonomische Logik. Die Einführung des Negativzinses hat zum einen die Finanzierungsbedingungen in der Wirtschaft beeinflusst. Davon haben sowohl die Unternehmen als auch die privaten und öffentlichen Haushalte profitiert. Der Negativzins wirkt zum anderen über den Wechselkurs. Und dies ist für uns als kleine offene Volkswirtschaft besonders bedeutsam. Der Negativzins macht Frankenanlagen relativ zu Anlagen in anderen Währungen unattraktiver. Er trägt damit wesentlich dazu bei, den Aufwertungsdruck auf unsere Währung in Schach zu halten. Dies unterstützt die Wirtschaftsaktivität und ist für die Preisstabilität in der gegenwärtigen Situation unerlässlich. Natürlich werden Wechselkurse auch von anderen Faktoren beeinflusst. Der Vergleich zwischen den Renditen von Franken und Fremdwährungsanlagen ist aber immer ein wichtiges Kriterium bei der Entscheidung der Anleger, in welche Währung sie investieren. Das tiefe Zinsniveau führt jedoch auch zu Herausforderungen und Nebenwirkungen. So sorgen sich Sparer in der Schweiz um ihre Ersparnisse, die kaum noch Zins abwerfen. Den Pensionskassen und den Lebensversicherungen wiederum erschweren die tiefen Kapitalmarktzinsen die Erfüllung ihrer vertraglich festgelegten Verpflichtungen. Und die Banken fürchten um ihre Profitabilität, weil sie mit ihren Kreditgeschäften wenige Zinseinnahmen generieren. Außerdem begünstigt das Tiefzinsumfeld die Dynamik an den Immobilienmärkten. Bei all diesen Schwierigkeiten ist es aber weniger der eigentliche Negativzins, der ins Gewicht fällt, als vielmehr das weltweit seit Jahren bestehende äußerst tiefe Zinsniveau, von dem ich zu Beginn meiner Rede gesprochen habe. Die erwähnten Herausforderungen traten nicht erst mit der Einführung des Negativzinses durch die Nationalbank auf, sondern widerspiegeln den langjährigen Rückgang des globalen Zinsniveaus. Das Zinsniveau würde in der gegenwärtigen Situation auch ohne Negativzins niedrig bleiben, weshalb auch die Nebenwirkungen andauern würden. Meine Damen und Herren, würde es den Bürgerinnen und Bürgern in der Schweiz ohne den Negativzins der SNB besser gehen? Lassen Sie mich an dieser Stelle dazu ein kurzes
Gedankenexperiment wagen. Was würde passieren, wenn wir den Negativzins im gegenwärtigen Umfeld aufheben würden? Eine Aufhebung des Negativzinses würde der Schweizer Wirtschaft heftig zusetzen. Unsere kurzfristigen Zinsen liegen wieder höher als in anderen Ländern, was die Attraktivität von Anlagen in Franken deutlich steigen würde. Dadurch würde sich der Franken aufwerten, was die Wirtschaftsdynamik in der Schweiz beeinträchtigen, die Arbeitslosigkeit erhöhen und die Teuerung in den negativen Bereich drücken würde. Ging es bei einer Aufhebung des Negativzinses wenigstens den Sparern, den Pensionskassen, den Lebensversicherungen und den Banken besser? Wegen der stark abgeschwächten Konjunktur wären die Gewinnaussichten der Unternehmen getrübt und die Schweizer Aktien würden unter Druck geraten. Zwar wären die kurzfristigen Zinsen in der Schweiz nicht mehr negativ, aber die Kapitalmarktzinsen würden sich wegen den verschlechterten Wirtschaftsaussichten wenig verändern. Dadurch würde das Zinsniveau insgesamt niedrig bleiben und langfristige Frankenobligationen würden weiterhin tiefe Renditen abwerfen. Unter dem Strich würde sich die Lage von Sparen, Pensionskassen, Lebensversicherungen und Banken also kaum wesentlich verbessern. Gleiches gilt auch für den Immobilienmarkt. Zwar könnte eine Aufhebung des Negativzinses die Dynamik an diesem Markt etwas dämpfen. Da sich jedoch am tiefen Zinsniveau wenig ändern würde, bliebe die Wirkung beschränkt. Die Risiken für die Finanzstabilität müssen in der aktuellen Situation durch gezielte makroprudentielle Maßnahmen angegangen werden. Damit wird die Nachfrage nach Hypotheken und Immobilien gedämpft, sowie die Widerstandskraft der Banken gestärkt. Meine Damen und Herren, wenn wir den Negativzins im heutigen Umfeld aufheben würden, würden wir die Schweizer Wirtschaft stark belasten. Dies wäre weder für die Sparer und die Pensionskassen noch für die Finanzstabilität von Vorteil. In anderen Worten, die Aufhebung des Negativzinses in der heutigen Situation wäre nicht im Gesamtinteresse unseres Landes. Wir haben den Negativzins nach sorgfältiger Abwägung seiner Vor- und Nachteile eingeführt. Wir prüfen seine Wirksamkeit laufend und analysieren Kosten und Nutzen unvoreingenommen. Die globale Wirtschaftsaktivität hat sich in den letzten Monaten abgeschwächt. Die Konjunktur in der Schweiz dürfte nach der Stagnation im zweiten Halbjahr 2018 zwar wieder etwas an Fahrt aufnehmen, doch die Inflationsaussichten für das laufende und das kommende Jahr sind gedämpft. Darüber hinaus bleibt die Lage an den Finanz- und Devisenmärkten aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheit in etlichen Ländern weiterhin fragil. In der gegenwärtigen Situation ist unsere unkonventionelle Geldpolitik mit dem Negativzins und der Bereitschaft, bei Bedarf am Devisenmarkt zu intervenieren, notwendig und angemessen. Sie ist es auch, weil sie nicht einzelne Anliegen stärker gewichtet als andere, sondern stets das Interesse der Schweiz als Ganzes im Blick hat. Der Negativzins gehört zum Werkzeugkasten der Nationalbank, der neben konventionellen Instrumenten auch unkonventionelle enthält. Unsere Aufgabe ist es, die für jede Situation geeigneten Instrumente zu verwenden. Eines möchte ich an dieser Stelle aber festhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eines Tages wieder zu positiven Zinsen zurückkehren. Wann dies genau sein wird, kann ich Ihnen heute nicht sagen. Es hängt entscheidend davon ab, wie sich Inflation, Wachstum und Wechselkurs in Zukunft entwickeln. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend die Gelegenheit nutzen, mich auch im Namen meiner beiden Direktoriumskollegen, Fritz Zurbrück und Andrea Mechler, ganz herzlich bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren großen Einsatz zu bedanken.
Wir bedanken uns auch bei Ihnen, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, für Ihre starke Verbundenheit mit der Nationalbank und für Ihre treue Unterstützung. Ein herzliches Dankeschön geht auch an unsere jungen Gäste der Bündner Kantonsschule für das Interesse an der Geldpolitik und der Nationalbank. Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, mit möglichst vielen von Ihnen am Apéro diskutieren zu können. Herzlichen Dank. Mesdames, Messieurs, nous en venons maintenant à la présentation à l'Assemblée générale du rapport de l'organe de révision KPMG-SA qui constitue le point 3 de notre ordre du jour. Vous trouverez le rapport de l'organe de révision sur les comptes annuels 2018 aux pages 200 à 202 du rapport de gestion. Selon l'appréciation de KPMG, les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2018 sont conformes à la loi suisse et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité avec les principes de comptabilisation et d'évaluation figurant dans l'annexe aux comptes annuels. KPMG atteste qu'elle remplit les exigences légales d'agrément et d'indépendance et qu'il n'existe aucun fait incompatible avec son indépendance. KPMG atteste également que, conformément à l'article 728A du Code des obligations et à la norme d'audit suisse 890, il existe un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes défini selon les prescriptions du Conseil de banque. Enfin, KPMG atteste que la proposition relative à l'affectation du bénéfice porté au bilan est conforme à la loi sur la Banque nationale. En conséquence, KPMG recommande à l'Assemblée générale d'approuver les comptes 2018. Je prie M. Philippe Rickert, réviseur responsable auprès de KPMG, de s'avancer vers le pupitre et de communiquer à l'Assemblée générale s'il peut confirmer les recommandations de l'organe de révision et s'il a quelque chose à ajouter à son rapport à l'Assemblée générale. Monsieur Rickert, vous avez la parole. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, unser Revisionsbericht ist im Geschäftsbericht 2018 auf den Seiten 200 bis 202 abgebildet. In unserem Revisionsbericht geben wir ein uneingeschränktes Prüfurteil ab. Seit unserer Berichterstattung vom 1. März 2019 sind keine Ereignisse eingetreten, welche eine Änderung der Jahresrechnung 2018 zur Folge hätten. Wir haben keine weiteren Bemerkungen zu unserem Bericht und gerne bestätige ich die Empfehlung des Bankrats, die vorliegende Jahresrechnung 2018 zu genehmigen. Je vous remercie, Monsieur Philippe Rickert. Je vous remercie, vous ainsi que vos collaboratrices et collaborateurs de KPMG, pour la tâche importante effectuée durant la période administrative 2018-2019, de même que pour la très bonne collaboration. Nous passons maintenant aux informations sur le vote et je cède la parole au secrétaire général, M. Peter Schöpf. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir stimmen auf Anordnung des Bankratspräsidenten mit elektronischen Geräten ab. Als Aktionärin oder Aktionär haben Sie beim Eingang einen entsprechenden Televoter erhalten und Ihr Abstimmungsgerät verfügt über einen berührungsempfindlichen Bildschirm, über einen sogenannten Touchscreen. Und sobald ich eine Abstimmung eröffne, wird der Bildschirm automatisch eingeschaltet. Unten links auf Ihrem Bildschirm sehen Sie das Symbolbild Sprache. Wenn Sie dieses Bild antippen, können Sie die Dialogsprache ändern. Jeder Tastendruck wird mit einer kleinen Vibration bestätigt.
Und unten rechts sehen Sie das Symbolbild Info. Und wenn Sie dieses Bild antippen, dann wird Folgendes angezeigt. Zuerst Ihr Name, dann die Anzahl der von Ihnen vertretenen Aktienstimmen, sowie, falls Sie andere Aktionäre vertreten, die Anzahl der erfassten Zutrittskarten. Meine Damen und Herren, es sind heute insgesamt 5 Abstimmungen geplant. Ich werde jede Abstimmung entsprechend eröffnen und auf Ihrem Bildschirm erscheint dann jeweils der aktuelle Punkt der Tagesordnung und Sie werden dann jeweils 10 Sekunden Zeit haben, um Ihre Stimme durch Antippen einer der 3 farbigen Flächen Ja, Nein oder Enthaltung abzugeben. Und wenn Sie eine Wahl getroffen haben, wird Ihr Gerät etwas vibrieren und die gewählte Fläche wird durch einen kleinen Haken gekennzeichnet. Sollten Sie versehentlich falsch gedrückt haben, können Sie Ihre Stimmabgabe korrigieren, indem Sie ganz einfach auf eine andere farbige Fläche drücken. Und wenn die jeweilige Abstimmung beendet ist, dann zeigt Ihr Gerät die von Ihnen getroffene Wahl an, sowie Ihren Namen und die Anzahl der von Ihnen vertretenen Aktienstimmen. Meine Damen und Herren, ich schlage vor, dass wir einmal sehen, ob das Ganze funktioniert. Und wir führen dazu eine Testabstimmung durch. Und ich bitte Sie dann zu reinen Testzwecken um die Abgabe einer beliebigen Stimme. Meine Damen und Herren, wie Sie es gehört haben, präsidiert Herr Jean Studer unsere Generalversammlung heute zum 7. und letzten Mal. Und wie Sie sehen, trägt Herr Studer heute eine wunderschöne blaue Krawatte. Und ich konfrontiere Sie nun mit folgender Aussage. Herr Jean Studer trug an den letzten 6 Generalversammlungen mehrheitlich ebenfalls eine blaue Krawatte. Das ist die Aussage und Sie dürfen sich jetzt zu dieser Aussage äußern, elektronisch. Stimmt sie nicht? Ich sage Achtung, die Abstimmung läuft ab jetzt und Sie haben 10 Sekunden Zeit, um Ihre Meinung kundzutun. So, die Abstimmungszeit ist nun abgelaufen. Ich bitte Sie um einige Sekunden für die Berechnung des Resultats. Und das Resultat liegt bereits vor. Sie sehen es gleich auf der Großleinwand. Die Generalversammlung, so stelle ich fest, kann sich an die Präsidialkrawatten bestens erinnern. Ich darf Ihnen verraten, dass es effektiv so war. Herr Studer trug an den 6 vergangenen Generalversammlungen insgesamt 3-mal eine wunderschöne blaue Krawatte. Blau ist ja bekanntlich die Farbe der SNB. Und Herr Studer trug 2-mal eine rote Krawatte und 1-mal eine grüne Krawatte. Aber dafür haben wir ihm längstens verziehen. Ich stelle fest, und das ist das Wichtigste, dass das Televoting funktioniert. Und ich schließe mit 2 Bemerkungen. Erstens, falls Sie Probleme mit Ihrem Televoter haben, dann können Sie sich an den Helpdesk wenden. Das befindet sich vorne auf der linken Seite von Ihnen aus gesehen im Saal. Und zweitens, lassen Sie bitte am Schluss der Versammlung Ihren Televoter sowie auch das Gerät für die Simultanübersetzung auf Ihrem Stuhl. Die Apparate werden dann eingesammelt. Und sollten Sie die Versammlung vor dem Ende verlassen müssen, dann geben Sie bitte Ihre Apparate am Helpdesk ab. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Merci, Monsieur le Secrétaire Général, pour cette rétrospective des cravates du président sortant du Conseil de banque. Je vous propose, Mesdames et Messieurs, d'aborder le point 4 de notre ordre du jour, l'approbation du rapport financier, le 111e rapport de gestion de la Banque nationale a été publié le 21 mars dernier sur le site internet de la
BNS, vous avez eu la possibilité d'en commander un exemplaire ou la possibilité de le consulter soit au siège de Berne, soit au siège de Zurich. Le rapport de gestion comprend deux grandes parties, le compte-rendu d'activité de la direction générale qui est destiné non pas à cette assemblée mais à l'assemblée fédérale. La seconde partie, c'est le rapport financier à notre attention comme d'ailleurs à l'attention du Conseil fédéral. Et ce rapport d'activité qui figure aux pages 11 à 126 à destination de l'Assemblée fédérale décrit l'évolution économique et monétaire en 2018 et commente en détail l'accomplissement des tâches légales de la Banque nationale, en particulier la conduite de la politique monétaire. Il est soumis à l'Assemblée générale des actionnaires pour information et non pour approbation. Par contre, le rapport financier qui figure aux pages 129 à 199 du rapport de gestion décrit l'évolution de la Banque nationale sous l'angle de l'organisation, de son exploitation, ainsi que son résultat financier pour l'année 2018. Il contient également les comptes détaillés, dont le bilan, le compte de résultat, le tableau de variation des fonds propres et l'annexe. Ce rapport financier est soumis à votre approbation et l'approbation porte sur le rapport annuel et les comptes annuels. Dans ce contexte, je vous informe que le Conseil fédéral a approuvé ce rapport financier lors de sa séance du 15 mars 2019, et ce, conformément à la loi. Permettez-moi de vous présenter les grands axes des comptes annuels de la Banque pour l'exercice 2018. La Banque nationale suisse a enregistré en 2018 une perte de 14,9 milliards de francs. En 2017, elle avait dégagé un bénéfice de près de 54,4 milliards. Mesdames, Messieurs, vous le savez, mais nous ne cesserons jamais de le rappeler. Le résultat d'une banque centrale dépend fortement de la structure et de la dimension de son bilan. Ces éléments résultent, quant à eux, des mesures de politique monétaire que l'institution est amenée à prendre. Les actifs de la BNS sont constitués pour l'essentiel de réserves de devises et d'or évaluées au cours actuel. C'est donc essentiellement l'évolution sur les marchés de l'or, des changes et des capitaux qui détermine son résultat, raison pour laquelle ce résultat est susceptible de varier fortement dans le temps. Le bilan de la BNS est présenté aux pages 164 et 165 du rapport de gestion. À l'actif, portons notre attention sur le poste « placement de devises », surligné ici en jaune. Le total des placements de devises s'inscrit à 764 milliards de francs à fin 2018, soit en retrait de 26 milliards par rapport à fin 2017. Cette diminution résulte en grande partie de la perte enregistrée sur ces placements, et cette perte est de 16 milliards. Elle se reflète en conséquence sur le compte de résultat. La diminution du poste placement de devises s'explique également par un montant moins élevé des avoirs à vue résultant de pensions de titres. Il s'agit ici de pensions de titres conclues dans le cadre de la gestion des placements de devises avec des engagements correspondants portés au passif du bilan. Ces avoirs à vue ont diminué de 11 milliards, tout comme leur pendant au passif du bilan. Quant aux interventions de la BNS sur le marché des changes qui ont entraîné ces dernières années une augmentation considérable des placements de devises, ces interventions en 2018 ont été marginales. Comme vous le constatez, les autres postes de l'actif du bilan sont restés quasiment inchangés par rapport à l'année précédente.
Passons maintenant au passif du bilan qui présente les engagements de la BNS ainsi que ses fonds propres. Les quatre postes mis en évidence en jaune, à savoir les comptes de virement des banques en Suisse, les engagements envers la Confédération, les comptes de virement de banques et d'institutions étrangères, ainsi que les autres engagements à vue qui regroupent les comptes de virement du secteur non bancaire, totalisent ainsi 575 milliards de francs à fin 2018. Leur solde reste quasiment inchangé par rapport à 2017. Vous noterez par ailleurs que les postes engagement en francs résultant de pensions de titres et propres titres de créances présentent toujours fin 2018 un solde nul. Cela a été le cas durant toute l'année. En 2018 encore, la BNS n'a en effet pas mis en œuvre d'opérations visant à retirer des liquidités du marché. Force est ainsi de constater que la structure du bilan de la BNS n'a pas fondamentalement changé en 2018, tout comme sa dimension. Fin 2018, la somme au bilan se monte à 817 milliards de francs contre 843 milliards de francs une année auparavant. Passons maintenant en revue les éléments constitutifs du résultat de l'exercice 2018. Et commençons par le résultat de l'or. L'évolution du cours de l'or en 2018 n'a eu qu'un impact marginal sur le résultat de l'exercice. Le prix de l'or en francs est resté relativement stable pour s'établir à 40 612 francs le kilogramme. Il en a découlé une moins-value de 0,3 milliards de francs sur un stock inchangé de 1040 tonnes. Passons au résultat des positions en monnaies étrangères, qui a eu un impact prépondérant sur le résultat de l'exercice. Il s'est soldé par une perte de 16,3 milliards et ce résultat se décompose de la manière suivante. La BNS a enregistré 9,6 milliards de francs de produits d'intérêt et 3,4 milliards de francs de dividendes. Ces revenus ont été contrebalancés par des pertes de cours et des pertes de change. Les pertes de cours sur les placements en actions se sont élevées au total à 12,4 milliards de francs. La valorisation plus faible des obligations a quant à elle entraîné une perte de 5,6 milliards de francs. Enfin, les pertes de change ont pesé sur le résultat à hauteur de 11,3 milliards de francs. Le résultat des positions en francs s'est établi, quant à lui, à 2 milliards de francs. Ce résultat s'explique pour l'essentiel par les intérêts négatifs prélevés sur les avoirs en compte de virement. Vous le savez, le président de la direction générale vient de vous l'exposer longuement. La BNS applique un taux d'intérêt négatif aux avoirs à vue détenus auprès d'elle lorsque ces avoirs dépassent un certain montant exonéré. En prenant en compte les autres résultats, le résultat brut affiche ainsi une perte de 14,6 milliards de francs. Les charges d'exploitation, à savoir les charges liées aux billets de banque, les charges de personnel, les autres charges d'exploitation et les amortissements sur les immobilisations corporelles se sont élevés à quelque 381 millions de francs. Au final, le résultat de l'exercice se solde ainsi par une perte de 14,9 milliards de francs. Voilà, mesdames, messieurs, j'ouvre maintenant la discussion sur le rapport financier. Deux actionnaires se sont annoncés pour prendre la parole à ce sujet, soit messieurs Lionel Rosla et Marcel Liner. Et dans l'ordre de leur inscription, je donne maintenant la parole à monsieur Lionel Rosla. Mesdames et messieurs, je suis Lionel Rosla, médecin FMH de Genève. J'évoque ici l'ordre de la BNS
qui, en 1999, se montait à près de 2600 tonnes, équivalent à des puissances européennes comme la France ou l'Italie. Entre 2000 et 2008, plus de 1500 tonnes d'or ont été vendues par la BNS sans justification économique, autre que l'abandon de la couverture or par la Suisse, conséquence de l'adhésion de la Suisse au FMI en 1992, et de la réforme constitutionnelle scélérate de 1999. Depuis 2008, date de la dernière vente d'or par la BNS, le stock d'or s'affiche invariablement dans les rapports de gestion annuels au total de 1040 tonnes. En 2014, le peuple suisse a refusé l'initiative sur l'or, visant notamment à fixer le taux du stock d'or à au moins 20% des actifs de la BNS. Actuellement, la part de l'or dans le bilan correspond à 5,2%. Dans son argumentaire de l'époque contre cette initiative, la BNS indiquait que l'or offre un avantage à la Banque nationale et à la Suisse, et que, dans le cadre d'une bonne diversification des réserves monétaires, une certaine part d'or peut contribuer à réduire le risque au bilan. La BNS ajoutait qu'elle n'avait jamais exclu la possibilité d'acheter à nouveau de l'or dans l'avenir. En 2018, les banques centrales des différents pays du monde ont acheté plus de 650 tonnes d'or, le montant le plus élevé en 50 ans, selon un rapport du World Gold Council. Notamment la plupart des BRICS qui poursuivent une stratégie de dédollarisation de leurs réserves, dont plus officieusement la Chine qui détiendrait plus de 4000 tonnes d'or selon certaines estimations. Et la Suisse dans tout ça. Dans un contexte financier mondial fragile et incertain, et au vu de l'extension du bilan de la BNS, ne serait-il pas prudent de diversifier ses actifs et d'augmenter la part des actifs tangibles comme l'or? Est-ce que la BNS suit-elle, à l'instar de la Chine, une stratégie d'achat discret d'or? Je me doute bien que valider de telles suppositions ne peut être formulée explicitement en Assemblée générale. Je me contenterai donc d'un clin d'œil discret lors du cocktail dînatoire. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Rosselin. Et je donne la parole à Monsieur Marcel Liner. Sehr geehrter Herr Präsident, geehrte Damen und Herren des Bankrates und des Direktoriums, ich spreche hier im Namen des Stiftungsrates der NGO-Stiftung Belcampo. Der Stiftungsrat der NGO-Stiftung Belcampo ist erstaunt, dass im Jahresbericht 2018 nicht auf die Klimakrise eingegangen wird. Im Wissen, dass die Auswirkungen sehr groß sind, im Wissen, dass es ein sehr großes Thema ist in der Bevölkerung, in der Gesellschaft, global wird diskutiert, wird demonstriert, die Leute gehen auf die Straße und sie sind weder im Jahresbericht noch jetzt in den beiden Reden von Ihnen und von Herrn Jordan auf dieses Thema eingegangen. Darum meine beiden Fragen an Sie. Diskutierte der Bankrat im Jahr 2018 das Thema der Klimakrise und die Auswirkungen auf die Finanzmärkte? Erste Frage. Zweite Frage. Warum wird im Jahresbericht 2018 mit keinem einzigen Wort über das äußerst dringende Thema der Klimakrise und den Zusammenhang von SNB-Investitionen hingewiesen, insbesondere weil auch bekannt ist, ich verweise auf die Interpellation von Adèle Tohons, die uns aufgeschreckt hat, wie viel Verluste die SNB gemacht hat in diesem Jahr und was die Auswirkungen sind für die Produktion von Treibhausgasen. Besten Dank für die Antwort. Merci, Monsieur Liner. Permettez-moi de rappeler ici, mesdames et messieurs, que les discussions sur le rapport financier doivent porter exclusivement sur l'organisation de la banque, sur son exploitation et son résultat financier, ne sont pas là, ces discussions, pour porter sur des sujets prospectifs. Les sujets prospectifs sont abordés au point 9 lors de la discussion générale. Je me permettrai toutefois deux réponses à ce stade à messieurs Rosselin et Liner, et j'imagine que le président de la direction générale pourra compléter mes réponses lors de la discussion générale. Vous dire, s'agissant de l'or, monsieur Rosselin, que la Constitution prévoit qu'une partie des réserves de la Banque nationale doit être constituée d'or et ne fixe pas d'autres critères. C'est la direction générale qui a la compétence de déterminer la part d'or qui est la plus judicieuse. Elle est aujourd'hui, je l'ai dit, de 1040 tonnes, inchangée. À plusieurs reprises, la direction générale a fait savoir qu'elle n'entendait pas modifier cette part d'or, soit par des achats, soit par de la vente. Mais encore une fois, cette compétence appartient à la direction générale. Concernant
les placements, notamment en lien avec la question climatique. Je peux vous dire, Monsieur Liner, que d'autres actionnaires se sont annoncés pour aborder cet aspect-là. Là aussi, la politique de placement est de la compétence exclusive de la direction générale, et je laisserai M. Thomas Jordan vous donner la position de la direction générale sur votre question, comme sur les autres qui seront posées en lien avec ce sujet dans le cadre du point 9. Je vous remercie. Nous pouvons maintenant passer au vote, et je donne la parole au secrétaire général. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Der Bankrat beantragt der Generalversammlung, den Finanzbericht 2018 und damit den Jahresbericht und die Jahresrechnung zu genehmigen. Ich sage Achtung, die Abstimmungszeit läuft ab jetzt und Sie haben 10 Sekunden Zeit, um Ihre Stimme abzugeben. Abstimmungszeit ist abgelaufen. Wir warten auf das Resultat. Resultat liegt vor. Ich stelle fest, dass die Generalversammlung den Finanzbericht 2018 mit großem Stimmenmehr genehmigt hat. Vielen Dank. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Merci de la confiance ainsi donnée à la conduite de l'institution. Nous abordons maintenant le point 5 relatif à l'affectation du bénéfice porté au bilan et plus précisément au montant du dividende. Comme vous le savez, la Banque nationale est tenue de constituer des provisions suffisantes afin de maintenir les réserves monétaires au niveau requis par la politique monétaire. Et c'est le rôle de la provision pour réserve monétaire. L'alimentation de cette provision se fait donc indépendamment du résultat de l'exercice. Comme je l'ai souvent dit, le bilan de la BNS est exposé à des risques de marché considérables. Et dans un souci de renforcer son bilan, dès 2016, la BNS a adopté des dispositions additionnelles pour déterminer l'attribution à la provision pour réserve monétaire. Ces dispositions nouvelles prévoient notamment que l'attribution annuelle s'élève au minimum à 8% du solde de cette provision. Et ainsi, il en résulte pour l'exercice 2018 une attribution de 5,4 milliards de francs à la provision pour réserve monétaire. Après cette attribution, le résultat annuel distribuable présente un solde négatif de 20,4 milliards de francs. Mais il convient d'y ajouter le bénéfice reporté des exercices précédents, autrement dit ce qu'on appelle le solde de la réserve pour distribution future, qui se monte, lui, à 67,3 milliards de francs, ce qui permet de porter le bénéfice au bilan à 47 milliards de francs. Sur ce montant, il est d'abord prévu de distribuer aux actionnaires un dividende de 1,5 million de francs au total. Je vous rappelle que le versement du dividende est régi par la loi, par l'article 31 alinéa 1 de la loi sur la Banque nationale, que ce dividende est limité, il représente au maximum 6% du capital action. Ensuite, en vertu de l'alinéa 2 du même article 31, la part du bénéfice porté au bilan qui dépasse le dividende revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers au canton. Toujours en vertu de cet article, le Département fédéral des finances et la BNS conviennent du montant annuel du bénéfice versé à la Confédération et au canton pour une période donnée, dans le but d'assurer une répartition constante à moyen terme. Concrètement, le montant annuel du bénéfice versé à la Confédération et au canton est fixé dans une convention conclue entre le Département fédéral des finances et la BNS. Et la convention actuelle, je l'ai dit, date de 2016 et elle définit les modalités de distribution
du bénéfice jusqu'en 2020. Selon cette convention, la distribution annuelle du bénéfice est fixée à 1 milliard de francs si la réserve pour distribution future ne devient pas négative après affectation du bénéfice. Ce n'est pas le cas cette année. De plus, le montant versé peut être relevé jusqu'à 2 milliards, soit une distribution supplémentaire de 1 milliard, si le solde de la réserve pour distribution future dépasse 20 milliards après affectation du bénéfice. C'est le cas cette année. Ainsi, la BNR versera au total 1 plus 1, 2 milliards à la Confédération et au canton. Après affectation du bénéfice, il résulte un report de 45 milliards de francs au compte annuel 2019 à titre de réserve pour distribution future. La décision que vous êtes amenés à prendre, chers actionnaires, porte uniquement sur le montant du dividende qui doit vous être versé. Le conseil de banque vous propose de verser un dividende total de 1,5 million de francs, soit le maximum légal, 6% du capital action. J'ouvre maintenant la discussion et un actionnaire s'est annoncé en lien avec ce point 5 de l'ordre du jour, Monsieur Mathieu Despons, et je l'invite à prendre place sur le podium pour qu'il nous fasse part de ses considérations. Alors, voilà. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'ai observé qu'il existe donc deux réserves différentes, donc la réserve pour distribution future, ainsi que la provision pour réserve monétaire. Et il me semble avoir observé qu'il y a 22 milliards qui ont été prélevés dans la réserve pour distribution future, ce qui me semble être une utilisation qui irait avec la politique monétaire, alors que si je regardais dans les autres pages où on nous explique qu'il reste actuellement 73 milliards dans la réserve, donc provision pour réserve monétaire, et qu'on lui a rajouté 5 milliards, donc ce qui fait 68 milliards à peu près, qu'il y avait auparavant. Donc je me questionne de savoir pourquoi est-ce qu'on a pris 22 milliards dans la réserve pour redistribution future alors qu'il y en avait encore à disposition dans la provision pour réserve monétaire. C'est juste une question de différentes affectations que je ne comprends pas bien. Alors si vous pouvez m'éclairer, j'en serais très heureux. Merci. Merci, Monsieur Despons. Je réponds volontiers à votre question. En fait, le calcul de la part de bénéfice est conforme à l'article 30 de la loi et l'organe de révision a d'ailleurs préalablement confirmé que la détermination de ce bénéfice correspondait effectivement aux prescriptions légales. C'est le but de la réserve de distribution future d'abord d'absorber ces pertes, et permettez-moi de relever que ce calcul pourrait être de nature à être totalement dans l'intérêt des actionnaires, en leur assurant le versement d'un dividende, malgré une perte, pour autant que la réserve pour distribution future reste positive. Et c'est de cette manière-là que la construction a été faite. Ceci aussi dans le cadre de la convention qui a été passée entre le département fédéral des finances et la BNS pour assurer la répartition du bénéfice aux collectivités publiques. Voilà. La loi, la convention est finalement une opération qui, selon l'évolution, pourrait être tout à fait favorable aux actionnaires en la rassurant quand même un dividende alors même qu'il y aurait une perte mais qui serait absorbée par une réserve pour distribution future qui resterait positive. Il n'y a pas d'autres questions en lien avec ce point 5 de l'ordre du jour. Et j'invite donc le secrétaire général à procéder au vote. Meine Damen und Herren, der Bankrat beantragt der Generalversammlung im Rahmen der Gewinnverwendung eine Dividende von insgesamt 1,5 Millionen Franken an die Aktionäre auszurichten. Ich sage Achtung, die Abstimmungszeit beginnt jetzt. Und Sie haben 10 Sekunden Zeit.
für diese Abstimmung. So, die Abstimmungszeit ist jetzt abgelaufen. Wir warten auf das Resultat. Resultat liegt bereits vor. Ich stelle fest, dass die Generalversammlung der Festsetzung der Dividende gemäß Antrag des Bankrats mit großem Mehr zugestimmt hat. Und was die Dividendenauszahlung betrifft, darf ich hier sagen, dass die Dividende der uns angegebenen Dividendenadresse gutgeschrieben wird. Die Auszahlung erfolgt am 3. Mai. Vielen Dank. Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire Général, je vous remercie aussi de la confiance manifestée. Nous passons maintenant au point 6 de l'ordre du jour, la décharge à donner au Conseil de banque. Cette décharge est donnée collectivement au Conseil de banque, lequel est responsable en tant qu'organe de la supervision et du contrôle de la conduite des affaires de la Banque nationale. Deux personnes se sont inscrites pour prendre la parole en lien avec ce point 6. Il s'agit de M. Gérald Rosla et de Mme Nicole Rosla. J'invite dans l'ordre des inscriptions M. Gérald Rosla de Tonnet à prendre la place qui lui est réservée. Bonjour, je m'appelle Gérald Rosla et je viens de Tonnet à Genève. Je fais partie de l'Assemblée des actionnaires actifs positifs de la Banque nationale suisse, appelée aussi AAA+. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de banque, Mesdames et Messieurs les actionnaires, j'ai été frappé de constater que les placements de la BNS, si l'on y regarde de plus près, nous conduisent directement vers un réchauffement climatique de 6 à 8 degrés. Cela est contraire à la politique de placement mentionnée dans le rapport de gestion de la BNS en page 82, qui précise que la BNS renonce à investir dans des actions qui causent de manière systématique de graves dommages à l'environnement. Quelle planète vais-je laisser à ma petite fille qui est née hier? Mesdames et messieurs les actionnaires, réveillez-vous. Marquons notre désapprobation de la politique de placement de la BNS en votant non au rapport du Conseil de banque qui, de plus, ne respecte pas les accords signés par la Confédération lors de la COP21. Je terminerai mon intervention en citant Pierre Rabhi, qui raconte cette petite fable. Cela se passe en Afrique où un feu de feu fait rage. Tous les animaux sauvages fuient devant cet incendie. Seul un petit colibri, un tout petit oiseau, fait la navette entre un marais et l'incendie, transportant une goutte d'eau dans son bec. Tous les animaux lui disent « Tu es fou, petit colibri, tu n'arriveras jamais à éteindre l'incendie. » Il répond « Oui, mais moi, je fais ma part. » Comme ce petit colibri, je vous invite à faire votre part et à refuser de donner des charges au Conseil de banque pour ce manquement grave à la bonne gouvernance de notre BNS. Merci de votre attention. Je donne la parole à Madame Nicole Rosla. Je m'appelle Nicole Rossella, j'habite Tonnet à Genève. Je suis la maman de 3 enfants et la grand-maman de 3 petits-enfants, dont celle née hier. Mesdames et messieurs, en 2017, nous apprenions lors de cette même assemblée que
que nous, actionnaires, avions du sang sur les mains. La Banque nationale suisse investit dans l'industrie de la guerre, l'industrie de la mort. Aujourd'hui, nous pouvons lire en page 82 du rapport d'exercice que nous avons tous reçu que la Banque nationale suisse s'abstient d'acheter des actions d'entreprises qui violent massivement les droits humains fondamentaux en fabriquant des armes condamnées sur le plan international. Enfin, elle exclut les titres d'entreprises participant à la fabrication d'armes nucléaires pour d'autres pays que les 5 puissances nucléaires légitimes, selon le traité des Nations Unies sur la non-prolifération des armes nucléaires. Les plus lourds investissements connus à ce jour sont Honeywell, Boeing et Raytheon. Honeywell, entreprise américaine qui produit environ 85% des composantes non nucléaires de l'arme atomique américaine et participe aux simulations de tests des bombes atomiques. Raytheon, entreprise américaine qui est spécialisée principalement dans les domaines des systèmes de défense et d'électronique et dans l'aérospatiale. Elle se classe au 6e rang mondial des ventes de matériel militaire. Boeing, entreprise américaine spécialisée dans la conception d'avions civils, mais également dans l'aéronautique militaire, les hélicoptères ainsi que dans les satellites et les fusées, avec sa division Boeing Défense, Space and Security. En 2012, elle se positionnait au 2e rang des ventes de matériel militaire au niveau mondial. C'est plus de 1 milliard de dollars investis par la BNS dans ces 3 entreprises et plus de 2 milliards investis dans l'industrie de la mort. Mesdames et messieurs les actionnaires, 2 ans après ces révélations, nous, actionnaires, avons encore et toujours du sang sur les mains. Je vous remercie. Aucun autre actionnaire ne s'est inscrit pour ce point 6 qui concerne la décharge au conseil de banque. Je rappelle ici que la politique de placement est de la compétence exclusive de la direction générale. Et j'imagine que le président de la direction générale reviendra sur ces questions lors de son intervention au point 9 de l'ordre du jour. Le point ici en discussion n'est pas la décharge ou une éventuelle décharge à donner à la direction générale, mais la décharge du conseil de banque. Je constate qu'à ce stade, aucun reproche n'est formulé. Je vous propose dès lors que les réponses plus substantielles vous soient données, Madame et Monsieur Rosla, lors de la discussion générale et aussi dans le prolongement de l'intervention de Monsieur Diner. Cela étant, je vous adresse tous mes vœux pour la naissance de votre petite fille. Nous allons maintenant passer au vote et j'invite le secrétaire général à procéder. Meine Damen und Herren, der Bankrat beantragt der Generalversammlung, ihm Entlastung zu erteilen. Zu entlasten sind folgende Mitglieder des Bankrats: Monsieur Jean Studer, Präsident, Monsieur Olivier Steimer, Vizepräsident, Frau Professor Dr. Monika Büttler, Frau Barbara Janom Steiner, Herr Heinz Karre, Herr Dr. Daniel Lampard, Herr Professor Dr. Christoph Lengwiller, Maître Shelby Dupasquier, Herr Ernst Stocker, Monsieur le Professeur Cédric Thiel et Monsieur Christian Vita. Bitte beachten Sie, dass gemäß Artikel 695 des Obligationenrechts Personen, die an der Geschäftsführung der Bank teilgenommen haben, sich der Stimme zu enthalten haben. Ich sage nun Achtung, die Abstimmungszeit läuft ab jetzt und Sie haben wiederum 10 Sekunden Zeit, Ihre Stimme abzugeben. So, die Abstimmungszeit ist abgelaufen und wir warten auf das Resultat.
Resultat liegt auch bereits vor. Die Generalversammlung hat dem Bankrat für das Geschäftsjahr 2018 mit großem Mehr Entlastung erteilt. Vielen Dank. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Merci, chers actionnaires, de la confiance ainsi donnée à moi-même et à tous mes collègues du Conseil de banque. Nous passons au point 7, élection d'un membre du Conseil de banque. Je vous l'ai dit, je quitte mes fonctions de président du Conseil de banque à la fin de ce mois d'avril, après avoir atteint la durée de mandat réglementaire maximale. Dans sa séance du 14 septembre 2018, le Conseil fédéral a nommé Barbara Janumsteiner, membre du Conseil de banque, et alors qu'elle était en septembre encore conseillère d'État et chef du département des finances et des communes du canton de Grison, en tant que nouvelle présidente du Conseil de banque de la Banque nationale suisse, avec entrée en fonction au 1er mai prochain. Je vous l'ai dit, je me réjouis énormément de cette nomination. Je présente déjà à Barbara mes vœux les plus chaleureux pour le succès de son futur mandat. Voyez-vous, mesdames, messieurs, c'est la première fois dans son histoire que le Conseil de banque sera présidé par une femme et en plus par une native du canton des Grisons, ce qui présentera beaucoup d'avantages, notamment celui d'entendre la beauté du romanche plutôt que les quelques difficultés que j'ai eues à faire pour le dire en introduction de mes salutations. Lors de cette même séance du 14 septembre, le Conseil fédéral a également nommé M. Christophe Hamann, membre du Conseil exécutif et directeur de l'économie publique du canton de Berne, en tant que membre, nouveau membre du Conseil de banque, avec entrée en fonction au 1er mai 2019. Je salue très cordialement Christophe Hamann, qui est aussi présent parmi nous, et je lui adresse à lui aussi tous mes voeux de réussite. Nous enregistrons aujourd'hui le départ d'un autre membre du Conseil de banque qui a commencé avec moi et qui par conséquent arrive lui aussi au terme de la durée du mandat réglementaire. Il s'agit de M. Daniel Lampart, économiste et en chef et premier secrétaire de l'Union syndicale suisse. M. Lampart a été élu au Conseil de banque par l'Assemblée générale en 2007. Il y a représenté les milieux économiques. Au nom du Conseil de banque, je le remercie aujourd'hui pour les services qu'il a rendus à l'institution d'émission pendant ces 12 années. Daniel Lampart s'est notamment distingué en sa qualité de membre et de président du comité des risques. Le travail de ce comité, je l'ai dit dans mon allocution d'introduction, s'est complètement accru et a gagné en importance et en complexité ces dernières années, compte tenu du fort accroissement du bilan de la Banque nationale. Un gros travail a dès lors été fourni par Daniel Lampart. Je lui adresse encore la gratitude de la Banque nationale. Je lui adresse également mes voeux les meilleurs pour l'avenir sur les plans professionnels et personnels. Merci encore une fois, Dani. Il incombe à votre Assemblée d'élire un nouveau membre du Conseil de banque pour le reste de la période administrative 2016-2020. Selon l'article 40 de la loi sur la Banque nationale, les membres du Conseil de banque doivent être de nationalité suisse, bénéficier d'une réputation irréprochable et avoir des connaissances reconnues dans les domaines des services bancaires et financiers, de la gestion d'entreprise, de la politique économique et des sciences. Selon le Memorandum of Understanding entre le département fédéral des finances et la Banque nationale concernant les principes régissant la composition du Conseil de banque, celui-ci se compose de personnalités issues des milieux économiques,
scientifique et politique, chacun de ces milieux devant y être représenté pour environ un tiers. Les représentants des milieux économiques doivent provenir de différentes branches, le secteur bancaire devant être représenté. Ils doivent exercer une fonction dirigeante dans leur entreprise, posséder des connaissances avérées de leur branche et disposer, grâce à l'étendue de leur réseau relationnel, d'un excellent niveau d'information sur l'évolution générale de l'économie. Ils doivent en outre être parfaitement au fait des questions relevant de la politique économique et financière. Je l'ai dit, M. Daniel Lampart a représenté les milieux économiques au Conseil de banque et en 2007, il a été élu dans cet organe en tant qu'économiste en chef de l'Union syndicale suisse. L'Union syndicale suisse est la plus grande association fêtière des syndicats suisses. Elle regroupe 16 syndicats, tant des services publics que de l'économie privée, notamment à travers le syndicat Unia. L'Union syndicale suisse est traditionnellement représentée au Conseil de banque et il convient donc que la personne qui succédera à M. Dani Lampart soit également issue des milieux syndicaux. Ainsi, le Conseil de banque propose-t-il à l'Assemblée générale d'élire Mme Vania Aleva, vice-présidente de l'Union syndicale suisse et présidente du syndicat Unia, en tant que membre du Conseil de banque pour le reste de la période administrative 2016-2020. Mme Aleva a grandi à Zurich. Elle a effectué des études d'histoire de l'art à Rome et à son retour en Suisse, elle a travaillé comme journaliste et enseignante. Elle a également accompli une formation post-grade en communication interculturelle. C'est en 1997 que Mme Aleva a débuté une activité au syndicat Industrie et Bâtiment, qui allait devenir Unia par la suite. Depuis 2008, elle assume la responsabilité du secteur tertiaire auprès du syndicat Unia. En 2012, le syndicat Unia l'a élue comme vice-présidente et depuis 2015, elle est la première femme à assumer pleinement la présidence d'Unia. Madame Aleva a la double nationalité suisse et italienne. Elle est mariée et domiciliée à Berne. Unia compte 200 000 membres. C'est le plus grand syndicat de Suisse. Il couvre pratiquement tout le secteur privé et négocie les conditions de travail et les salaires de plus d'un million de personnes. Il s'engage pour un modèle durable de sécurité sociale et gère la plus grande caisse de chômage de Suisse. Le Conseil de banque estime que Mme Aleva remplit les conditions requises pour être élue au Conseil de banque. Elle exerce une fonction dirigeante dans les milieux syndicaux et dispose de ce fait d'un réseau étendu de relations. De par son expérience et sa fonction, Mme Aleva est pleinement au fait des questions relevant de la politique économique et financière. Elle porte un grand intérêt aux tâches de la Banque nationale et est prête à s'engager en conséquence en faveur de notre institution. Aussi, le Conseil de banque vous propose-t-il d'élire Madame Aleva, que je salue très cordialement puisqu'elle est aujourd'hui présente parmi nous. Personne ne s'est inscrit pour ce point lors du jour. Avez-vous d'autres propositions? Ce n'est pas le cas. J'invite dès lors le secrétaire général à soumettre au vote la candidate proposée par le Conseil de banque. Meine Damen und Herren, der Bankrat beantragt der Generalversammlung, Frau Vania Aleva, Vizepräsidentin des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds und Präsidentin der Gewerkschaft Unia, zum Mitglied des Bankrats für den Rest der Amtsdauer 2016-2020 zu wählen. Achtung, sage ich, die Abstimmungszeit läuft ab jetzt und Sie haben 10 Sekunden Zeit, Ihre Stimme abzugeben. Die Zeit ist abgelaufen und
Wir warten auf das Resultat. Das Resultat liegt vor und ich stelle fest, die Generalversammlung hat Frau Vanya Aleva zum Mitglied des Bankrats mit großem Stimmenmehr gewählt. Je remercie votre assemblée d'avoir élu Madame Vanya Aleva en tant que membre du conseil de banque. Je lui adresse également toutes nos félicitations et à elle aussi la bienvenue et beaucoup de succès dans cette nouvelle fonction. Nous passons au point 8, l'élection de l'organe de révision. En effet, conformément aux articles 36 et 47 de la loi sur la Banque nationale, c'est votre Assemblée qui élit l'organe de révision pour un an. Selon l'article 48 de la loi, l'organe de révision a pour tâche de vérifier si la comptabilité, les comptes annuels et la proposition d'affectation du bénéfice porté au bilan sont conformes aux exigences légales. Le Conseil de banque vous propose d'élire KPMG SA comme organe de révision de la Banque nationale pour la période administrative 2019-2020. Mesdames, Messieurs, KPMG a été élu pour la première fois en tant qu'organe de révision de la BNS lors de l'Assemblée générale de 2015. L'excellente qualité de l'offre, la personnalité du réviseur responsable, ainsi que ses connaissances spécialisées ont motivé ce choix. Aujourd'hui, 6 arguments plaident en faveur d'une réélection de KPMG. Depuis la période administrative 2015-2016, nous avons été constamment satisfaits des prestations de KPMG. En effet, les évaluations menées chaque année par notre comité d'audit ont toujours débouché sur d'excellents résultats. Cela est également le cas pour l'évaluation qui a été faite l'automne dernier. Deuxième argument, la qualité de l'activité d'audit et des procédures de révision remplit pleinement nos exigences et correspond aux normes nationales et internationales. Troisièmement, la collaboration entre les différents responsables de la BNS et l'équipe de KPMG se déroule toujours de façon hautement professionnelle. Quatrièmement, l'équipe de KPMG répond de manière appropriée et flexible aux besoins de la BNS et réagit rapidement à nos demandes. Cinquième argument, dans le cadre de l'activité de la BNS, KPMG fait valoir des expériences qu'elle tire de ses mandats de révision pour d'autres banques centrales et nous en fait donc profiter. Enfin, sixièmement, l'autorité fédérale de surveillance en matière de révision a effectué en 2017 un contrôle des travaux de révision de KPMG pour la Banque nationale. L'autorité de surveillance a elle aussi confirmé la qualité de ces travaux. Mesdames, Messieurs, nous n'ignorons pas que quelques incidents ont récemment affecté la réputation de KPMG et le Conseil de banque s'est dûment penché sur cette question. Il en a conclu que KPMG continue d'être le bon choix, que le rapport de confiance entre la BNS et KPMG est intact et que l'équipe de KPMG dévolue à la révision de la BNS effectue un excellent travail. Comme vous le savez, KPMG est un réseau mondial de sociétés d'audit et de conseil. Les prestations de révision pour la Banque nationale serait à nouveau fourni par KPMG SA à Zurich. Le réviseur responsable serait à nouveau M. Philippe Rickert, membre de la direction générale de KPMG Suisse. M. Rickert est au bénéfice d'une longue expérience dans le domaine de l'audit d'établissements financiers. Enfin, les honoraires restent adéquats eu égard à l'étendue de la révision. Ils se montent à
300 000 francs. Conformément à l'article 47, alinéa 2 de la loi sur la Banque nationale, les réviseurs doivent être indépendants du conseil de banque, indépendants de la direction générale et indépendants des principaux actionnaires. KPMG remplit l'exigence légale en ce qui concerne son indépendance au sens de la loi sur la Banque nationale. Les actions de KPMG SA sont entièrement en main d'associés suisses actifs. KPMG est donc financièrement indépendante et n'est pas soumise à l'influence d'actionnaires tiers. En outre, si KPMG, ni ses associés, ni les membres des équipes en charge de la révision de la BNS ne détiennent d'actions de la Banque nationale. Enfin, il n'existe pas de lien de parenté ou de relation personnelle entre les membres des équipes de révision et les membres du conseil de banque ou de la direction générale élargie. KPMG a confirmé qu'elle remplit les exigences légales d'indépendance et qu'il n'existe aucun fait incompatible avec son indépendance. KPMG a également attesté qu'elle remplit les exigences légales d'agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision. KPMG est disposée à accepter le mandat d'organe de révision pour une nouvelle période administrative. Aussi, le Conseil de banque propose-t-il à l'Assemblée générale d'éclire KPMG SA en tant qu'organe de révision pour la période administrative 2019-2020. J'ouvre maintenant la discussion sur l'élection de l'organe de révision. Un actionnaire s'est annoncé. Il s'agit de M. Sébastien Lorenz à Mérin. J'invite M. Lorenz à prendre la parole à la place réservée aux actionnaires. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je suis Sébastien Lorenz, j'habite Mérin à Genève, je suis membre du collectif AA+, et je suis également avocat. Un ex-directeur de KPMG, M. Scheman, réfugié actuellement en Thaïlande, a écrit une lettre ouverte et un livre sur les dérives des comptabilités, notamment dans le système bancaire, qui fausse en particulier l'économie mondiale. De récents événements, comme la vente des actions de la BNS par des banques cantonales, les taux d'intérêt négatifs, ou encore le mouvement des Gilets jaunes, en sont notamment des exemples. Mais le danger réel pour les entreprises suisses et européennes viennent en particulier de l'extraterritorialité des lois, en particulier de tout un agrégat normatif américain composé notamment de l'IFRS, de la loi Sabra-Noxele, du Patriot Act, de la loi FACTA, qui ont pour finalité, au fait, pour certaines, d'obliger les entreprises à communiquer des informations stratégiques, pour d'autres qui permettent à ce que l'on appelle les PCAOB, c'est-à-dire certains organismes américains comme le FBI, la CIA, la NSA ou encore l'IRS, d'étendre leurs investigations au-delà des frontières américaines, d'obliger les institutions financières telles que KPMG à transmettre des informations, bien entendu sans avoir préalablement demandé l'accord des personnes concernées ou pouvoir les s'y opposer. Une chose importante à souligner, c'est que les normes IFRS qui sont proposées par les Américains ne les appliquent d'ailleurs pas eux-mêmes, mais ont bouleversé également énormément le paysage financier européen et ont permis de mettre en place une véritable guerre économique. Le lien entre KPMG et les États-Unis sont forts et incontestables. À travers KPMG et son réseau, comme il a été rappelé, l'ensemble de la politique de la BNS est probablement livrée directement au gouvernement américain. Pour nous, il est urgent de choisir un organe de révision qui est fiable et totalement indépendant. En Suisse, nous possédons des entreprises qui ont toutes les compétences, toutes les qualités pour remplir ces mandats de révision. Enfin, pour que les actionnaires puissent avoir un réel pouvoir de choisir, nous préconisons qu'un appel d'offres soit fait préalablement à l'Assemblée générale afin que les actionnaires aient un véritable choix entre
plusieurs sociétés de révision. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, pour toutes ces raisons, notamment, nous suggérons en fait, à l'Assemblée de prendre ses responsabilités vis-à-vis de notre pays et des citoyens et de refuser la nomination de KPMG comme auditeur. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur Lorenz. Permettez-moi ici de dire que ce terme d'une complexe mise au concours que votre Assemblée avait décidé en 2015 de confier le mandat de l'organe de révision à KPMG, mise au concours impliquant les sociétés à même de satisfaire les attentes élevées qui sont les nôtres en matière d'organes de révision, des attentes élevées qui font que par n'importe quel fiduciaire est à même de satisfaire les exigences en la matière. Par ailleurs, les critères d'indépendance ont bien sûr fait l'objet d'un examen attentif dans le cadre de cette mise au concours et KPMG a pu parfaitement démontrer qu'elle était totalement indépendante, à la fois à l'égard partenaire de l'institution révisée, la BNS, mais aussi à l'égard de n'importe quelle autre institution. Dans ces conditions, du point de vue du Conseil de banque, la proposition et les critères qui l'avaient amené à vous suggérer, vous l'aviez suivi, à retenir KPMG comme organe de révision, ces critères-là sont toujours actuels, pour voir le mandat de KPMG être reconduit sur une année. Nous vous aurions proposé peut-être un autre choix, si la qualité des travaux de KPMG était insuffisante, si des erreurs avaient été présentées et constatées dans la présentation des comptes, encore une fois, cela n'a jamais été le cas. Peut-être aussi aurions-nous choisi une autre voie, si le rapport de confiance entre la banque et KPMG était ébranlé, si nous avions des doutes quant à l'intégrité, aucun doute de cette nature n'a marqué les discussions que nous avons eues avec KPMG. Comme aucun doute, je viens de le dire, sur son indépendance, KPMG dispose toujours des autorisations nécessaires et sa réputation n'est aujourd'hui pas remise en cause. C'est pour ces raisons que, encore une fois, après un examen attentif de la situation par son comité d'audit, puis par le Conseil de banque et en discussion après avec KPMG, c'est en toute confiance que le Conseil de banque vous propose de reconduire KPMG comme organe de révision pour la période 2019-2020. Et je propose que le secrétaire général passe au vote. Meine Damen und Herren, der Bankrat beantragt der Generalversammlung KPMG AG zur Revisionsstelle für die Amtsdauer 2019-2020 zu wählen. Ich sage Achtung, die Abstimmungszeit läuft ab jetzt und Sie haben wiederum 10 Sekunden Zeit. Abstimmungszeit ist abgelaufen und wir warten auf das Resultat. Resultat liegt bereits vor und ich stelle fest, die Generalversammlung hat KPMG AG zur Revisionsstelle der Nationalbank für die Amtsdauer 19/20 mit großem Stimmenmehr gewählt. Vielen Dank. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Nous pouvons passer maintenant à la discussion générale qui fait l'objet du point 9 de l'ordre du jour. Je constate que, sauf erreur de ma part, 8 actionnaires se sont inscrits pour cette direction générale. Je vous l'ai dit, j'ai la volonté de terminer cette assemblée à 12h45. Je propose dès lors que les actionnaires qui se sont inscrits limitent leur intervention à 3 minutes. Je serai aidé dans le respect de ce temps à disposition par un petit voyant lumineux qui sera vert tant que le temps est ouvert, qui deviendra orange après 2 minutes 30 et qui deviendra rouge après que 3 minutes se soient écoulées. Je propose dès lors de donner maintenant la parole, toujours dans l'ordre d'inscription, à Monsieur Patrick Dimier.
Merci, Monsieur le Président. Je suis Patrick Dimier, j'habite à Colony, à Genève, et je suis membre du Grand Conseil de la République et Canton de Genève. Et donc, c'est un temps en ma qualité de citoyen que d'élu que je m'exprime. Notre directeur général a parlé de la préoccupation des taux d'intérêt négatifs, notamment pour ce qui est des retraités suisses. Et la question de ces intérêts négatifs, bien sûr, si on la comprend dans une politique générale de contrition d'attrait du franc suisse par des opérateurs étrangers, on peine complètement à la comprendre lorsqu'il s'agit d'opérateurs suisses travaillant sur le franc suisse et surtout gérant des fonds qui ont été accumulés par des citoyens de ce pays et qui est le fruit de leur labeur et de leur épargne. Il y a évidemment une distorsion tout à fait majeure qui ne peut que déplaire aux citoyens que je suis et modestement retraités également. Ma question est donc de savoir si la volonté de la BNES, dont l'essence même est de veiller à l'essor économique du pays, et de corriger cet effet pervers. Mais sur ce point uniquement, je trouvais que l'expression de M. Jordan tout à l'heure sur la justification du taux d'intérêt négatif était tout à fait pertinente, mais à mes yeux, elle ne l'est pas, puisqu'elle porte atteinte directement au fruit du travail de citoyens de ce pays, souvent modestes, et qui, par le taux d'intérêt négatif, voient leur retraite et leur pécule d'épargne de travail être altéré. Je ne voudrais pas terminer mon intervention sans remercier le conseil de banque et le président qui ont eu l'extrême courtoisie de recevoir notre collectif, puisque je fais partie du collectif AAA+, et d'ouvrir une discussion positive qui nous a permis certainement d'aller de l'avant dans des corrections et des approches, si vous me permettez le terme, plus humanistes de notre Banque nationale, qui est notre fierté. Merci. Merci, Monsieur Dimier. Je passe la parole maintenant à Monsieur Réginald Maître. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de me permettre de prendre la parole. L'UBS, deux fois sauvée par la Banque nationale suisse, de la faillite. Cette banque scélérate, condamné maintes fois sur le plan international à des amendes énormes pour des fautes avérées, et sauvé à deux reprises par la BNS et la Confédération. Cette banque commerciale, qui a bénéficié de l'intervention de la BNS pour lui éviter par deux fois la faillite, actuellement, cette banque gesticule avec la Deutsche Bank pour éviter probablement une troisième faillite. Et aujourd'hui, notre collectif demande, en tant qu'actionnaire et citoyen, mais laissez-les sombrer et préservez votre probité et votre travail pour la Suisse et non pas pour ces scélérats de banquiers. Merci. Je donne maintenant la parole, toujours dans l'ordre d'inscription, à Monsieur Denis Bucher. Bonjour, alors Denis Bucher de Mérin. Cette année, je parlerai en français. Donc, chers actionnaires, chers conseils de banque et direction de la BNS,
Alors que l'année passée, j'ai attiré votre attention sur le fait que les investissements de la BNS ne respectent pas les engagements de la Confédération sur l'accord de Paris pour le climat, mais de plus mettent gravement en danger notre avenir et la stabilité de nos économies et de nos sociétés. L'impact des investissements de la BNS ayant été évalué à 6 degrés de réchauffement climatique. Cette année, par contre, je vais uniquement vous poser des questions en tant qu'actionnaire. En effet, le 15 avril dernier a été annoncé dans la presse, notamment dans la NZZ, ainsi que dans le 24 heures, votre demande d'adhésion au Network for Greening the Financial System, un réseau de banques centrales pour un système financier plus durable. Donc la première question très simple, pouvez-vous confirmer cette demande d'adhésion ? Si c'est vrai, et même si à ce stade ça ne change rien dans votre action concrète par rapport à l'urgence climatique, je tiens tout de même à vous féliciter pour ce premier pas qui, je l'espère, montre que la BNS a l'intention de prendre ses responsabilités, comme chacun d'entre nous doit le faire. Ensuite, deuxième question, appelons une réponse précise, quel est le calendrier approximatif de cette adhésion ? Quand sera-t-elle effective et quel effet concret positif au quotidien cette adhésion aura-t-elle pour la BNS? Et pour finir, la troisième et dernière question pour laquelle je compte sur votre réponse factuelle, même si elle est approximative, quel est le calendrier estimé pour que cette volonté affichée se transforme en acte concret, à savoir une politique d'investissement responsable et en accord avec les engagements de la Confédération dans l'accord de Paris. Voilà, un grand merci d'avance pour vos réponses sur ces questions. Merci, Monsieur Bucher. Je donne la parole maintenant à Monsieur Reinhold Haringer de Saint-Gall, qui s'est annoncé en le remerciant aussi de limiter son intervention aux 3 minutes. Dont nous avons convenu. Merci, M. Haringer. Herr Präsident, meine Damen und Herren, mein Name ist Reinhold Haringer, ich komme aus St. Gallen und war Mitglied im Initiativkomitee der Folgeinitiative und einer ihrer Sprecher. Die Folgeinitiative wurde bekanntlich klar abgelehnt, 75% Nein, 25% Ja. Das war klar, eindeutig. Im Fußball würde man sagen, die SNB und das geldpolitische Establishment haben 3-1 gewonnen. Aber wie Sie alle wissen, gibt es im Fußball und auch bei einigen oder vielen Initiativen auch eine Rückrunde. Und die Rückrunde zur Folgeinitiative ist eigentlich schon im Gange. Und aus unserer Sicht verläuft sie recht positiv. Und ich möchte Ihnen das mit einigen Beispielen kurz illustrieren. Weltweit wird zum Beispiel der Gedanke des Helikoptergeldes immer populärer. Man kommt immer mehr zur Erkenntnis, dass die Zinssteuerung bei Nullzinsen nicht funktionieren kann. Und neue Instrumente notwendig werden. Mit der Vollgeldinitiative wollten wir der Nationalbank dieses Instrument geben. Zweites Beispiel. In Genf wird ein interessantes Projekt gestartet. Dort versucht die Mont Pelerin Bank, ein modernes Finanzinstitut nach den Grundsätzen des Vollgeldes aufzubauen. Basierend auf Blockchain-Technologien will sie eine Bank betreiben, ich zitiere, welche die Sichtguthaben ihrer Kunden dauerhaft und zu 100% durch Barreserven abdeckt und keine Geldschöpfung durch Kreditvergabe betreibt. Zitat Ende. Auch das war ein Ziel unserer Initiative. Drittes Beispiel. Erst kürzlich war zu lesen, dass neu auch Fintech-Firmen bei der Nationalbank ein Konto eröffnen können. Dies ist gemäß der NZZ eine fundamentale Änderung. Damit wird Otto Normalverbraucher bei elektronischen Zahlungen nicht mehr auf eine Bank angewiesen sein. Ein wichtiges Anliegen der Folgeinitiative. Viertes Beispiel. Beim Bundesrat ist ein Postulat hängig, welches Auskunft darüber will, ob die Nationalbank einen elektronischen Franken ausgeben soll. Denn wenn das Bargeld immer weiter zurückgedrängt wird, steht dem Otto Normalverbraucher bald kein gesetzliches Zahlungsmittel mehr zur Verfügung. Und er wird noch stärker von den Banken abhängig. Die Antwort auf die Frage eines E-Frankens ist unseres Erachtens ganz zentral. Denn mit dem Aufkommen von privaten Kryptowährungen wird das Vorrecht des Staates unterminiert, die Landeswährung und damit das eigene und wichtigste Zahlungsmittel zu bestimmen.
Die Volkerinitiative hat sich immer klar für eine staatliche Währung ausgesprochen und wollte, dass diese allein durch die Nationalbank in Umlauf kommt. Und dabei bleiben wir. Geld ist zu wichtig, als dass man es den Banken überlassen kann. Sie sehen, die Rückrunde ist bereits voll im Gange. Und wir geben einem Teil unserer Vorschläge recht gute Chancen. Wir brauchen ein Geld, das von der Nationalbank in Umlauf gebracht wird und nicht mehr auf Schulden aufgebaut ist. Man kann es Vollgeld, E-Franken, SNB-Konto für alle oder Helikoptergeld nennen. Der Name ist dabei nicht entscheidend. Je peux vous demander de conclure, Monsieur Haringer. Oui, Monsieur. Merci. Meine Damen und Herren, die Entwicklung des Geldes wird weitergehen. Neue Zahlungsformen, die Ablösung des Bargeldes, neue Finanzdienstleister und vieles mehr werden das neue Geld prägen. Denn eines ist klar, unser Geld- und Finanzsystem ist weit davon entfernt, optimal und sicher zu sein. Es wird Anpassungen geben und brauchen. Wir hoffen, dass es der Nationalbank und den übrigen Weisen des Geldes auf dieser Welt gelingt, diesen Übergang zu einem gerechteren und stabileren Geld so zu gestalten, dass er mit möglichst wenig Krisen und sozialem Elend verbunden ist. Wir sind überzeugt, dass die Ideen des Vollgeldes dazu einen wichtigen Beitrag leisten werden. Ich danke Ihnen für Ihre volle Aufmerksamkeit. Merci. Merci, Monsieur Haringer. Je donne maintenant la parole à Monsieur François von Siebenthal de Lausanne. Je remercie Monsieur Studer de me donner la parole. L'année passée, je vous avais donné un carton jaune. Cette année, je vous ai préparé un cadeau, Monsieur Studer, c'est un gilet jaune. Je ne sors pas le carton rouge encore, quoique avec Monsieur Haringer et le match retour, ça pourrait s'imposer. Ce que j'aimerais mettre en évidence, de manière très claire, c'est qu'en fait, toute votre comptabilité, tous vos comptes, tous vos reviseurs KPMG, comme l'a très bien indiqué deux ex-directeurs de KPMG qui ont quitté KPMG en écrivant des rapports très importants, des lettres ouvertes à tous les reviseurs du monde, la comptabilité, les comptabilités bancaires, les comptabilités des banques centrales sont fausses. Pourquoi elles sont fausses? C'est les meilleurs experts qui le disent par écrit, dans des lettres ouvertes. Il faut voir la réalité des faits. Nous avons une surproduction de tout, absolument tout. On peut surproduire grâce aux robots, aux machines, aux numériques, on surproduit, ça dépasse les plafonds. Ça monte, ça dépasse. On a, pour la première fois de l'histoire, une surabondance de tout, sauf d'une chose, c'est la monnaie. Et c'est pour ça que je remercie aussi Monnaie Pleine de dire ceci. On doit avoir des moyens non conventionnels de gestion de la monnaie. On peut aller dans les intérêts négatifs. On peut aussi aller dans ce qu'on appelle l'hélicoptère money. Et pourquoi on peut y aller? J'aimerais vous donner une liste afin que nous ne soyons pas ingrats. Quasiment tout est gratuit dans cet univers. L'univers nous est donné gratuitement. C'est gratuit, c'est un don. Le soleil nous est donné gratuitement. Sa lumière nous est donnée gratuitement. Sa chaleur nous est donnée gratuitement. Son énergie nous est donnée gratuitement. L'air nous est donné gratuitement. Notre corps, mon corps est donné gratuitement. Celui de ma femme est donné gratuitement. Nos talents sont donnés gratuitement. Nos épouses, nos époux, nos enfants, la petite fille qui vient de naître, la petite Zélie est donnée gratuitement. Nos valeurs historiques sont données gratuitement. Notre neutralité est gratuite. Notre paix sociale. Toute l'histoire de la Suisse, c'est un don gratuit de nos ancêtres qui nous ont donné des patentes, des inventions. Le feu est gratuit, l'écriture est gratuite, nos brevets, la plupart des brevets sont gratuits. Quasiment toutes les valeurs dans le monde actuel, on le voit dans les nouvelles GAFA, les nouvelles industries, c'est gratuit. Donc moi j'aimerais que l'argent aussi, une partie en tout cas, soit gratuite. C'est pour ça que je suis pour Monnaie Pleine. Et je demande aussi, c'est ma question, je demande à la Banque nationale suisse, qui a le mandat dans la loi, de nous faire des statistiques fiables. Nous avons besoin de statistiques des créations monétaires, pas seulement en Suisse, en francs suisses, mais des francs suisses créés aussi comme par le commerce à haute fréquence, par les nouvelles technologies. On a besoin de toutes ces valeurs, de savoir
qu'est-ce qu'il y a comme France Suisse créée, car nous planifions une nouvelle initiative fédérale qui prendra 1 pour 1000 sur toutes les créations monétaires et tous les flux monétaires. Et en prenant 1 pour 1000 sur tous ces flux monétaires et ces créations monétaires, nous pouvons supprimer tous les impôts, directs, indirects, des personnes morales, des personnes physiques. La Suisse devient un véritable paradis fiscal et nous sommes les souverains, c'est nous les rois, c'est nous les reines. Et les rois et les reines, ils battent monnaie gratuitement pour eux. C'est nous qui devons avoir la monnaie gratuite. C'est une nouvelle vision non conventionnelle. Vous dites qu'il n'y a pas d'autre alternative. C'est pas vrai. Il y a des méthodes non conventionnelles, l'hélicoptère money, la monnaie donnée gratuitement qui tombe du ciel et qui tombe sur les citoyens suisses, les habitants de la Suisse, et on le dépensera dans le monde entier et ça permettra d'affaiblir le franc suisse. Et c'est ça qu'on veut. Je donne la parole à Monsieur Gérald Scheller. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Gérard Scheller, je suis mathématicien et je viens de Genève. J'aimerais, à ma manière, vous parler des investissements de la Banque nationale. Nous sommes intervenus ces dernières années pour vous demander des investissements éthiques. À ce que nous savons, et vous allez le confirmer ou non, vous avez drastiquement diminué les investissements de la Banque nationale dans les armes. Si c'est le cas, merci et bravo. Dans les énergies fossiles, je suis pas encore très sûr. À l'avenir, il est à nos yeux également important d'éviter les aventures dans les nouvelles technologies controversées comme les gaz de schiste. La catastrophe de 2015, du point de vue financier, est encore en nos mémoires. Dans le même registre, je vous demande d'éviter la 5G des téléphones mobiles qui pourraient faire l'objet d'une catastrophe financière si ce que nous préconisons, c'est-à-dire l'arrêt de cette technologie, se met en place dans le monde. Selon nos informations, vous avez repris en interne la majorité de la gestion des investissements plutôt que de la confier à BlackRock ou autres intermédiaires. Pouvez-vous confirmer cette rumeur ? Et en d'autres termes, si cette politique d'investissement a évolué dans le sens de nos demandes, bravo. Sinon, je vous rappelle que vous êtes lié par l'article 3.2 des directives générales de la BNS, mais à la page 15 de votre rapport, j'ai vu que vous le mettiez en avant, tant mieux. C'est en tout cas la confiance aussi que vous remet le Conseil fédéral par rapport à cette application. Voilà, merci de votre attention. Merci. Il reste deux actionnaires qui souhaitent encore s'exprimer. Le premier des deux est Monsieur Klaus Stölker. Je vous invite à vous rendre au podium. Sehr geehrte Herren Präsidenten, liebe Mitaktionäre, mein Name ist Klaus Stölker aus Zollikon. Ich spreche im Namen meiner relativ wenigen Aktien, aber auch im Namen einer skandinavischen Unternehmerfamilie, die nahezu 3000 Aktien hat und die bedeutende Interessen in der Schweiz seit Jahren hat. Vor einem Jahr an dieser Stelle hat Präsident Jean Studer ausdrücklich auf die Aktionäre verwiesen, die mit ihrem Engagement zur SNB dieser Bank die Treue bewahrt haben. Seither sind einige Vertreter der öffentlichen Hand, ein Kanton und Kantonalbanken, desertiert. Mindestens eine weitere große Kantonalbank musste ihre Aktien zurückkaufen. Ich frage mich, ist das nur die Spitze des Eisbergs? Treu geblieben sind der Nationalbank die privaten Aktionäre. Sie und vor allem ausländische werden gerne als Spekulanten dargestellt. Als Vertreter dieser Minderheit protestiere ich. Die Nationalbank
hat heute einen bedeutenden Wert. Ich denke an die 150 Milliarden. Das ist eine großartige Leistung. Vergleichen wir dies auch mit anderen privaten Banken. Sie wird im Kontrast dazu an der Börse mit nur 250 Millionen Franken bewertet. Das ist eine Manipulation. Dies zu akzeptieren, heißt nicht, es müsse auch richtig sein. Weil es seit 112 Jahren nach langen Diskussionen nur 100.000 SNB-Aktien gibt, ist es naheliegend, dass 50.000 Aktien für Privataktionäre und die institutionellen Anleger zu wenig sind. Ich schlage daher vor, den Gedanken zu prüfen, unsere Aktien mit einem Nominalwert von 250 Franken zu splitten. Damit können wir ganz im Sinne der Beschlüsse von 1907 und 2004 einen Schritt vorwärts tun, um eine ausreichende Versorgung mit Aktien für private und institutionelle Schweizer und Ausländer zu erreichen. Die SNB ist kein Club einer privilegierten Minderheit, die sich langsam auflöst, sondern die Nationalbank für alle Schweizer und alle Ausländer, die in der Schweiz leben oder hier ihre Geschäfte betreiben. Damit niemand einer Täuschung hier unterliegt, ich sehe mich als Schweizer seit über 40 Jahren, allerdings als Primero und nicht als Secondo. Unsere Medien sind gut beraten, diesen Faktoren des 21. Jahrhunderts mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Die arme Schweiz des Jahres 1907 ist zu einem der reichsten Staaten der Welt geworden. Dies wurde von Schweizern und von Ausländern geleistet. Unsere Notenbank ist reich geworden. Sie lobt die Privaten, aber sie liebt sie nicht. Puis-je vous demander de conclure, Monsieur Stenker? D'accord, je suis d'accord. Jetzt frage ich, wollen Sie Privataktionäre aus dieser Halbgefangenschaft befreien? Wollen Sie den Schweizern durch einen Aktiensplit jene Aktien zugestehen, die Ihnen im Jahr 1907 nach harten Kämpfen zugestanden wurde? Unsere SNB, ich fasse zusammen, ist gut für unser Land, für einige mehr, für andere weniger. Hat einen hohen Wert, aber eine zu niedrige Bewertung und zu wenig Aktien für alle Aktionäre. Wagen Sie den Split, ändern Sie, was geändert werden muss. Ich danke Ihnen. Merci, Monsieur Stolper. Le dernier orateur inscrit est Monsieur Jacob Stragen. Je l'invite à se rendre au pupitre. Ich hoffe, die Zeit beginnt erst jetzt zu laufen. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Aktionäre, als Mitglied einer Arbeitsgruppe, die sich Gedanken macht, wie unser Steuersystem angesichts der neuen digitalen Welt durch eine Mikrosteuer auf den bargeldlosen Zahlungsverkehr und durch Abschaffung verschiedener Steuern auf Bundesebene verbessert werden kann, bin ich mit mir der wachsenden Bedeutung des Zahlungsverkehrs für unser Finanzsystem noch mehr bewusst geworden. Der Zahlungsverkehr ist das neurale Netzwerk unseres gesamten Finanz- und Wirtschaftssystems. Die SNB hat wörtlich, gemäß unserer Gesetzgebung, die wichtige Aufgabe, unser Zahlungsverkehr zu erleichtern und zu sichern. Erstere Aufgabe, also die Erleichterung des Zahlungsverkehrs, hat die Nationalbank an die privatrechtliche SIX Clearing AG, System AG, ausgelagert, einer hundertprozentigen Tochter der SIX Gruppe, die sich im Besitz der Banken befindet, wie wir alle wissen. Für die Sicherung des Zahlungsverkehrs ist die Nationalbank direkt zuständig, indem sie unter anderem valable statistische Informationen über den bargeldlosen Zahlungsverkehr
zu erheben und zu publizieren hat. Gemäß Wortlaut der Verordnung zum entsprechenden Bundesgesetz hat die Nationalbank nur eine sogenannte Teilerhebung durchzuführen. Das gesamte Volumen des schweizerischen Zahlungsverkehrs ist statistisch deshalb nicht umfassend erfasst. Die publizierten Zahlen sind effektiv ein Bruchteil der wahren und viel größeren Zahlen, denn der Umfang der Girozahlungen zwischen der Nationalbank und den Banken, der nach der Finanzkrise von 2008 als Folge der expansiven Geldpolitik stark angestiegen ist, wird seit 2013 nicht mehr publiziert, obwohl er ein wichtiger Indikator der Geldpolitik ist. Die Zahlen des Giroverkehrs müssen ebenfalls publiziert werden. Mit der nächsten Finanzkrise muss angesichts der weltweit überhängenden Schulden der ökonomisch widersinnigen, ich gehe nicht auf das Wort im Detail ein, negativen Zinsen und des fragilen Bankensystems jederzeit gerechnet werden. Oder anders ausgedrückt, der bei der nächsten Finanzkrise zur Kasse gebetene Steuerzahler hat ein Anwissrecht darauf zu wissen, wie hoch das Volumen des Zahlungsverkehrs einschließlich Girozahlungen ist. Die Nationalbank muss vorbereitet sein auf die nächste Finanzkrise und dies erkennbar. Die Schweizer Bevölkerung erwartet von der Nationalbank die umfassende Offenlegung sämtlicher Daten zu unserem Zahlungssystem. Die Einleitung der notwendigen Maßnahmen ist dringend. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und hoffe auf einen guten Lunch. Voilà, la liste des orateurs inscrits pour cette discussion générale est close. Les discussions en lien avec les intérêts négatifs, avec les critères d'exclusion, tout ça relève de compétences de la direction générale. Je voudrais toutefois, en tant que président du Conseil de banque, répondre à deux interventions. D'abord à celle de M. Stölker, lui dire que la composition du capital action et la nature des actions sont régies par la loi sur la banque nationale qui définit très clairement le montant du capital action, la valeur nominale de chacune des actions. Il n'appartient ni à la direction générale ni au conseil de banque de modifier cette loi. La modification de cette loi résulte exclusivement des compétences de l'Assemblée fédérale. Et les réflexions qui sont les vôtres de Stölker, aussi pertinentes ou intéressantes qu'elles pourraient être, cas échéant, devraient être transmises et partagées avec l'Assemblée fédérale. Concernant l'affirmation de M. De Siebenthal, selon lesquelles les comptes de la BNS sont faux, je voudrais relever ceci, M. De Siebenthal. Ces comptes ont été élaborés par les collaboratrices et collaborateurs de la BNS conformément aux exigences légales. Ils ont été considérés comme conformes aux exigences légales par l'organe de révision interne de la BNS. Ils ont été jugés conformes aux exigences légales par l'organe de révision externe de la BNS. Ils ont été jugés conformes aux exigences légales par le comité d'audit issu du Conseil de banque. Ils ont été jugés conformes aux exigences légales par le Conseil de banque. Et enfin, ils ont été jugés conformes aux exigences légales par le Conseil fédéral. Et en tant que président du Conseil de banque, je ne peux pas admettre qu'un actionnaire dise que les comptes de la BNS sont faux. Ils ne correspondent pas à votre vision du monde, M. De Siebenthal. Et en aucun cas, vous ne pouvez soutenir que les comptes de la BNS sont faux. Voilà. Je donne la parole au président de la direction générale. Gut, vielen Dank für diese
sehr umfangreichen, interessanten und wichtigen Fragen. Ich möchte zuerst der Reihe nachgehen, aber die Fragen zur Anlagepolitik, zu den Klimafragen und zum Netzwerk dann an den Schluss nehmen, weil eine ganze Reihe von Fragestellern hier ähnliche Fragen gestellt haben. Ich beginne mit der ersten Frage de Monsieur Rosla Auguste Loch. Et vous avez bien vu que la Banque nationale a ni acheté ni vendu l'or depuis longtemps, depuis les 10 dernières années. Mais nous pensons que le montant de l'or est juste, c'est ces 1040 tonnes métriques qu'on a, et on n'a pas d'intention de vendre de l'or, mais aussi pas d'intention d'acheter l'or à ce moment. Et en même temps, c'est jamais exclu que la Banque nationale, une fois, va changer son opinion et peut acheter de nouveau de l'or. Je ne peux pas m'exprimer sur les décisions des autres banques centrales concernant leur décision d'acheter ou vendre de l'or. Après, deuxième question était de M. Dimier concernant les intérêts négatifs. Ça, c'est exactement le sujet de mon discours avant. Mais vous avez sûrement raison, c'est une situation difficile pour ceux qui épargnent et aussi avant tout pour les questions pension. Mais comme j'ai expliqué avant, la Banque nationale peut faire peu à ce moment, parce que même si on augmenterait les taux jusqu'au niveau zéro ou positif, la situation générale des taux et intérêts bas ne change pas et ça reste une situation difficile pour les caisses de pension. On a ici aussi un problème structurel que peut-être les paramètres qui étaient juste à l'époque quand on a introduit le système des caisses de pension n'est plus valable aujourd'hui. Après, M. Réginald Maître, il a posé la question sur l'indépendance de la Banque nationale. Je n'ai pas tout à fait compris pourquoi vous avez mentionné deux fois sauver l'UBS. Moi, j'ai seulement vécu une fois, mais peut-être on peut discuter ça après au apéro. Il faut dire clairement, une fois la Banque nationale est indépendante, on prend des décisions indépendantes, toujours sous la condition de notre mandat. Et il faut aussi voir que le Parlement, le Conseil fédéral, la FINMA et la BNS ont pris beaucoup de mesures. Depuis 2008, on a augmenté les exigences de fonds propres, on a introduit une loi pour « too big to fail », pour tout faire le système financier suisse plus stable. Il faut aussi dire que le secteur financier en Suisse est un secteur très important pour l'économie. Beaucoup de places de travail, aussi une valeur surplus qui est importante pour la Suisse et le fonctionnement de notre économie. Monsieur Bucher, vous avez posé une question sur le climat, je reviens à ça tout à l'heure. Herr Haringer, Sie haben kurz die Diskussion auf das Vollgeld zurückgebracht und die zu erwartenden, aus Ihrer Sicht, Veränderungen im Geldsystem. Ich muss vielleicht vorab schicken, wir betrachten diese Diskussion immer als sehr nützlich und wir diskutieren auch sehr gerne. Für uns ist aber nicht der Fußball oder der Sport im Vordergrund, sondern die Sorge um ein möglichst gut funktionierendes, robustes System. Und wir sind eigentlich überzeugt, dass wir ein gutes System haben, das den Bürger in der Schweiz ein gutes Geld zur Verfügung stellt, das sicher ist und das auch eben Preisstabilität hat. Und man muss entsprechend aufpassen, wenn wir Experimente machen mit Helikoptergeld und anderes, wo am Schluss möglicherweise dann eben ein weniger gutes Geldsystem resultiert. Selbstverständlich überprüfen wir dauernd, welche Änderungen notwendig sind. Und wir haben intensiv uns mit der Frage von Kryptowährungen oder von einem E-Franken auseinandergesetzt. Diese Diskussion wird auch weitergehen. Aus heutiger Sicht gibt es keinen Grund, für das breite Publikum einen E-Franken einzuführen. Wir haben ein System, das hervorragend funktioniert und das auch weiter ausgebaut wird, dass es noch besser funktionieren wird. Wie gesagt, diese Diskussion, die geht immer weiter und wir werden hier am Ball bleiben und schauen, welche Entwicklungen sich ergeben. Après, oui, Monsieur de Siebenthal, le président du Conseil de banque a déjà répondu
à cause de la question de notre comptabilité. Je veux seulement dire, si j'écoute vous, on peut croire qu'on habite vraiment dans un paradis. Tout est gratuit. Alors il faut se poser la question pourquoi l'argent est nécessaire si je reçois tout gratuitement. Mais ça va un petit peu dans les questions de M. Haringer à cause du hélicoptergeld. Là, on n'est pas convaincu que c'est vraiment une bonne chose qu'on donne gratuitement à tout le monde de l'argent. On pense qu'on a un système très, très sûr, très, très stable et qui sert la population très bien en Suisse. Après, il y avait une question de M. Scheller, c'est aussi concernant la politique de placement, je reviens tout à l'heure. Dann die Frage von der Stolke hat auch schon der Bankratspräsident beantwortet. Ich möchte nur eine Ergänzung hier machen. Der Wert der Aktie der Nationalbank ist nicht abhängig vom Wert der Aktiven und der Passiven, die wir haben, sondern von der Ausschüttung, die die Nationalbank macht, auf den Aktien. Und das ist im Gesetz festgeschrieben. Die Dividende, die wir machen, nicht die Ausschüttung an die Bund und Kantone, sondern die Dividende an die Aktionäre, diese Dividende ist limitiert und durch das ist auch in dem Sinne in der langen Frist aus einer finanzökonomischen Perspektive eigentlich auch der Wert der Aktien verankert. Herr Skraken, Sie haben noch die Frage des Zahlungssystems gestellt, vor dem Hintergrund auch einer Mikrosteuer. Vielleicht möchte ich hier noch zwei Sachen sagen. Das eine ist, wir haben das Zahlungssystem nicht ausgelagert, sondern wir haben nur den Betrieb der SIG oder der SIGs ausgelagert. Das SIG ist ein Zahlungssystem, das man als Inhouse-Zahlungssystem der Nationalbank betrachten kann. Wir beherrschen dieses System, wir geben die Liquidität in dieses System und wir bestimmen alle Bestimmungen, alle Regeln in diesem System. Also man kann nicht sagen, dass wir das an die Banken oder den Privatsektor delegiert haben, sondern die Kontrolle ist vollumfänglich bei der Nationalbank. Und wir erfüllen auch den Auftrag, das Zahlungssystem zu erleichtern, indem wir dieses System dauernd weiterentwickeln. Die Daten, die wir erheben, wir haben in der Tat keinen vollständigen Überblick über alle Zahlungen, die in der Schweiz passieren, alle bargeldlosen Zahlungen, weil die Daten, die wir brauchen, um unseren Auftrag zu erfüllen, die können wir erheben. Sollte sich Änderungen geben, können wir die auch in Zukunft Anpassungen machen. Aber es ist auch nicht notwendig, dass wir eine Vollerhebung machen, um unseren Auftrag zu erfüllen. Wenn es eine andere Datenlage braucht, um eine Mikrosteuer einzuführen, dann ist das eine Aufgabe nicht der Nationalbank, sondern der Politik. Gut, und mit dem möchte ich noch ganz kurz auf die Anlagepolitik zu sprechen kommen. Sie wurde von einer ganzen Reihe von Leuten vorher thematisiert, Herr Liner, Monsieur Rosla, Gerard Scheller, Monsieur Bucher, Madame Rosla. Und ich möchte vielleicht das kurz zusammenfassen. Wir haben hier auch schon an der Generalversammlung die Grundprinzipien unserer Anlagepolitik erklärt. Vorausschicken möchte ich, dass der Klimawandel, die Erderwärmung ein ganz wichtiges Problem ist, das auch die Nationalbank anerkennt. Gleichzeitig muss man sagen, der Auftrag der Nationalbank ist, eine Geldpolitik im Gesamtinteresse des Landes zu führen. Und wir haben nicht den Auftrag, hier eben eine Politik zu machen, die primär auf den Klimawandel ausgerichtet ist. Das Gesetz ist in dieser Hinsicht sehr klar. Nichtsdestotrotz, und das ist auch ein wichtiger Punkt, beschäftigen wir uns natürlich mit dieser Problematik sehr intensiv, und zwar vor dem Hintergrund, inwiefern der Klimawandel, die Erderwärmung, einen Einfluss hat auf die Erfüllung unseres Auftrages. Gibt es irgendwelche Anpassungen, wie wir das volkswirtschaftliche System analysieren müssen? Gibt es irgendwelche Erkenntnisse, wie man die Finanzstabilität anders betrachten müsse und so weiter? Also es sind diese Fragen, die hier unter Umständen eben für uns relevant sind und weshalb wir uns intensiv damit beschäftigen. Und das war auch der Hauptgrund, ich komme jetzt deshalb auf die Frage wegen diesem Netzwerk zurück, der Hauptgrund, dass wir diesem Netzwerk beigetreten sind. Wir sind jetzt vor kurzem dort aufgenommen worden und werden uns dort auch entsprechend engagieren. Es geht uns vor allem darum, dass wir einerseits einen Erfahrungsaustausch haben können und schauen, inwiefern
können wir von diesem Netzwerk profitieren, um unser Wissen in dieser Hinsicht auch zu festigen oder weiter zu erhöhen. Das ist einmal die Frage dieses Netzwerks. Jetzt, was unsere Anlagepolitik angeht. Der Geschäftsbericht, der Rechenschaftsbericht ist ja sehr ausführlich und er erklärt das sehr, sehr im Detail. Also es stimmt nichts, dass wir uns zu dieser Frage nicht äußern, sondern wir haben, ist einer der Schwerpunkte, die wir in unserem Rechenschaftsbericht haben. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, die Anlagepolitik der Nationalbank ist im Dienst der Geldpolitik. Also die Anlagepolitik muss uns unterstützen, damit wir möglichst eine wirksame Geldpolitik machen können. Eine wirksame Geldpolitik können wir dann machen, wenn die Anlagepolitik so ausgestaltet ist, dass sie möglichst marktneutral ist, breit abgestützt ist, indexbasiert ist und eine große Diversifikation bei den Anlagen hat. Das ist dort, wo unsere Anlagepolitik uns am meisten bei der Geldpolitik unterstützen kann. Und wenn wir davon abweichen, muss es immer sehr gute Gründe geben. Und wir haben seit langem einen Ansatz, der sich sehr bewährt hat, und das sind die sogenannten Ausschlusskriterien. Diese Ausschlusskriterien basieren auf den Werten und Normen, die in der Schweiz vorhanden sind, und wir schließen aufgrund dieser Ausschlusskriterien dann Firmen aus, die eben die Menschenrechte systematisch verletzen, die Umwelt systematisch schädigen oder die eben geächtete Waffen produzieren. Mit diesem Ansatz fahren wir sehr gut und das ist ein Ansatz, wo wir auch fortschrittlich sind gegenüber vielen anderen Zentralbanken oder anderen institutionellen Anlegern und ist auch ein Ansatz, der sich grundsätzlich weiterentwickeln sollte, sofern eben Werte und Normen auch entsprechend ändern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in dieser Hinsicht. Also wir sind fest davon überzeugt, dass wir hier mit diesem Ansatz eben auch einen wesentlichen Beitrag leisten, indem wir diese Firmen, die gegenüber diesen Normen diese Normen nicht einhalten, die entsprechend aus unserem Portfolio entsprechend ausschließen. Vielleicht noch ein Punkt zum Risikomanagement, der erwähnt worden ist. Wir haben ein umfassendes Risikomanagement für unsere Anlagen, das alle verschiedenen Risiken umfasst. Und gibt es eine Veränderung bei den Risiken, dann werden wir die auch laufend entsprechend integrieren. Und es ist nicht so, dass aufgrund von fehlendem Risiko im letzten Jahr ein Verlust entstanden ist. Und es ist auch nicht so, dass aufgrund von Anlagen in bestimmten Aspekten wir diese Verluste erlitten haben. Also das ist nicht so, es ist insbesondere eben der Aktienmarkt insgesamt und der Wechselkurs. Und ich möchte noch mit einer letzten Bemerkung abschließen. Wir können diese Politik mit Ausschlusskriterien machen. Was nicht möglich ist für uns, ist, dass wir eine Strukturpolitik betreiben. Das ist nicht im Mandat der Nationalbank, für das haben wir nicht die Autorität bekommen, dass wir entscheiden können, welche Sektoren aus unserer Sicht einfach ausgeschlossen werden sollen, welche gut und welche schlecht sind. Wir haben hier eine bestimmte Neutralität in dieser Hinsicht aufrechtzuerhalten. Gut, besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Voilà, mesdames, messieurs, pour conclure, je voudrais encore une dernière fois remercier mes collègues du Conseil de banque pour les éminents services qu'ils ont rendus et qu'ils vont encore rendre à la Banque nationale durant les années passées et les années futures, ainsi que pour l'esprit de collaboration qui a marqué nos travaux. J'adresse au Conseil de banque mes meilleurs vœux pour la poursuite de son importante mission de surveillance et de contrôle. Je réitère une dernière fois aussi mes vœux les plus chaleureux de succès à sa nouvelle présidente, Barbara Jamsteiner, qui officiera dès la prochaine séance du Conseil de banque. Je voudrais encore remercier les membres de la Direction générale, M. Thomas Jordan, président, M. Fritz Sourbruck, vice-président, et Mme Andrea Mechler pour la conduite de la politique monétaire, pour la direction de l'institution. Je leur adresse à chacun et de tout cœur, mes vœux les meilleurs pour la poursuite de leur action dans l'intérêt général du pays. Enfin, je voudrais aussi exprimer ici ma reconnaissance à chaque collaboratrice et à chaque collaborateur
de la Banque nationale suisse qui, jour après jour, année après année, s'engage pleinement en faveur de l'institution. Monsieur Olivier Steimer et Monsieur Thomas Jordan m'ont indiqué qu'ils souhaitaient l'un et l'autre prendre la parole à ce stade de l'Assemblée. Je leur cède donc successivement la tribune. Voilà, c'est le hors-d'œuvre avant le buffet. Mesdames et messieurs, nous prenons aujourd'hui congé de Jean Studer. Monsieur Jean Studer a exercé durant 7 ans, comme vous le savez, la présidence du conseil de banque de cet bel institut. Il quitte le conseil d'âge, le conseil de banque, car il a atteint la limite réglementaire ou statutaire de 12 ans. Permettez-moi, en ma qualité de vice-président, durant ces 7 ans à ses côtés, de rappeler les éminents services qu'il a rendus à notre Banque nationale et au pays. Nommé en 2007, puis vice-président un an plus tard, il a été désigné en 2012, comme il l'a dit, à un moment très difficile et critique pour la Banque nationale. Nous sommes très reconnaissants qu'il a alors accepté cette tâche, choisi pour son expertise, sa longue expérience de direction et de gestion de projets délicats dans son canton et au Parlement, son réseau étendu tant dans les milieux politiques qu'économiques, mais aussi ses qualités humaines qui le prédestinaient à cette haute fonction. Au moment de son élection, sa carrière avait déjà été longue, notamment dans le domaine politique. Avocat de profession, membre du conseil communal à Neuchâtel, puis député au Grand Conseil de ce même canton. Il a également représenté son canton à la Chambre des cantons, au Conseil des États, pendant 6 ans. Puis, il est rentré à Neuchâtel, donc c'est un petit peu des allers-retours entre Berne et Neuchâtel, pour reprendre, ayant été élu conseiller d'État, membre du gouvernement neuchâtelois, le département de la justice, de la sécurité et des finances, une composition assez unique. Et puis, il y a également présidé, à son tour, une année, le gouvernement neuchâtelois. Élu par le Conseil fédéral à la présidence du Conseil de banque, il a bien sûr démissionné de ses fonctions au gouvernement de Neuchâtel, et s'est consacré pleinement à ses responsabilités à la tête du Conseil de banque, rendant ainsi d'éminents services. Bien entendu, et vous le savez comme moi, c'était une situation critique. Il n'imaginait pas forcément les 7 ans qui allaient suivre. C'est certainement dans l'histoire de la BNS, 7 ans parmi les plus intenses que nous ayons pu imaginer. Le conseil de banque, la direction, et je crois pouvoir parler au nom des autorités politiques et aussi des actionnaires ici présents, nous sommes tous très reconnaissants d'avoir assumé cette responsabilité. Jean Studer a assumé ses tâches présidentielles d'une manière souveraine. Sa stature d'homme d'État et sa stature tout court, évidemment, l'aide dans l'autorité naturelle qu'il exerce. Il a su conjuguer une haute conscience de ses responsabilités, une parfaite maîtrise des dossiers, du discernement et du doigté. À titre personnel, j'aimerais dire combien j'ai apprécié et j'ai appris à tes côtés au sein de ce conseil de banque. J'ai apprécié toutes les années passées, ensemble, et ai pu admirer, et avec ça l'ensemble des membres du conseil, avec quel brio tu as conduit nos séances en respectant l'opinion d'un chacun, tout en privilégiant le sens de la fermeté et du tact, et sachant des fois couper court à des discussions qui se perdent pour ne pas et ne jamais oublier la loi, ça nous l'avons entendu souvent, mais surtout le sens même des missions de la BNS. Nous regretterons, dans bon sens, légendaire, ramenant tout un chacun rapidement à la réalité du terrain, et bien sûr ton humour et ton rire tellement communicatif qui a bien souvent détendu une atmosphère qui est des fois aussi tendue, même au sein d'un conseil de banque aussi légendaire et traditionnel que n'est la Banque nationale suisse. Cher Jean, un immense merci. Un immense merci pour tout ce que tu as contribué et de ce que tu nous as donné. Mais je voudrais également remercier ici Madame Marie-Catherine Studer-Blatter. Chère Marie-Catherine, épouse de Jean, pour la compréhension
dont elle a fait preuve durant ces années et pour nous avoir prêté si généreusement Jean Studer pendant tant d'heures. J'aimerais également remercier ces filles ici présentes aujourd'hui, Louise, Margot et Elsa, si je me rappelle bien, de nous avoir prêté leur papa. Et je crois savoir que l'environnement familial qu'il y a certainement contribué à cette sérénité dont a fait preuve Jean Studer tout au long de ces années. Madame Studer, chère Marie-Catherine, j'aimerais te remettre un bouquet de fleurs ici, mais je vais tout de suite habituer Jean à ses nouvelles tâches, il sera plus proche de la famille et il sera en charge de te transmettre tout à l'heure. Merci Jean, merci Marie-Catherine, merci à tous. Je cède la parole à Thomas Jordan qui a, comme toujours, le dernier mot. Mesdames et messieurs, permettez-moi à mon tour de remercier le président sortant du Conseil de banque pour tout ce qu'il a donné à notre institution. J'ai l'honneur et le plaisir de collaborer avec M. Jean Studer depuis 12 ans. Notre collaboration fut particulièrement intense durant les 7 dernières années où nous avons dirigé la Banque nationale dans nos fonctions respectives. Ces 7 dernières années, vous le savez, furent riches en événements. Sous la présidence de Jean Studer, le Conseil de banque a accompagné étroitement l'ensemble des développements qui ont marqué notre institution. En tant que président du Conseil de banque, Jean Studer a su mettre à profit ses vastes connaissances, sa capacité de conduite et son sens des relations humaines. Ce faisant, il a contribué de manière décisive à la collaboration fructueuse entre le Conseil de banque et la Direction générale. Sous sa présidence, le Conseil de banque a ainsi apporté à la Direction générale un soutien infiniment précieux dans une période mouvementée. Grâce à ce soutien, la Banque nationale a toujours pu accomplir son mandat dans l'intérêt général du pays. Au nom également de mes collègues de la Direction générale, Fritz et Andrea, je t'adresse, cher Jean, nos remerciements les plus vifs pour ton grand engagement en faveur de la Banque nationale. Collaborer avec toi fut pour nous un privilège. Nous n'oublierons pas ta clairvoyance, ton humanité et ton profond attachement à notre institution. Mesdames et messieurs, comme vous le savez peut-être, Jean Studer va se consacrer dès le 1er juillet à la présidence de notre établissement de renom, la Banque cantonale neuchâteloise. Ce constat m'amène, si vous me le permettez, à la recommandation suivante. Changement de mission, changement de cravate. J'ai le plaisir, cher Jean, de t'offrir une cravate qui, je l'espère, t'accompagnera au mieux dans tes nouvelles fonctions. Cette cravate est de couleur jaune or. Jaune comme un lever de soleil sur le canton de Neuchâtel, or en souvenir des réserves d'or de la BNS. J'espère, cher Jean, que cette nouvelle cravate te portera chance et que tu la mettras avec plaisir, notamment dans les grands moments. Encore un grand merci pour tout. Un grand merci également à ta famille qui, nous savons, t'a apporté son soutien durant toutes ces années. Pour l'avenir, nous vous disons de tout cœur nos vœux les plus chaleureux. Merci Jean.
Voilà. Merci à Olivier, merci à Thomas pour des propos qui me touchent beaucoup. Encore une fois, sachez que j'ai présidé ce conseil de banque avec plaisir, en essayant d'être à la hauteur de l'honneur que le Conseil fédéral m'a fait en me désignant président du Conseil de banque. Et à cet égard, j'ai le sentiment de n'avoir fait finalement que mon devoir. Nous arrivons maintenant au terme de cette assemblée. Je vous remercie d'y avoir participé. Mille merci de votre soutien. La prochaine assemblée aura lieu ici au Coursal le 24 avril 2020. Je vous invite déjà à noter cette date. Je vais vous inviter à maintenant participer au buffet dînatoire et permettez-moi de conclure définitivement cette présidence de l'Assemblée un peu à la française en disant « Vive la Suisse, vive la Banque nationale suisse !» Merci.